Thierry Diop. Allah, il respire. Machin. Percute. Attention à la perruque. Ma perruque ne saute jamais. Cindy Force Force. Ma perruque ne va pas sauter. Moi, je suis quelqu'un qui met bien les perruques. Ma perruque ne saute pas. Oh. Aïe. Ouais, partagez le live. Si vous ne partagez pas, on donne rendez-vous. Parce que je suis là. Je dois me réveiller à 5 h du matin. Je suis une femme qui ne fait rien dans sa vie. Je suis une femme qui. Je suis occupée. Si tes dégâts sont finis, tu pars. Bonsoir, Fallon Zombie. Bonsoir, Julienne. Zombie, la reine mère de Lomaya. Bonsoir, Lolo de Léa. Bonsoir, Michela Pepga. Bonsoir, mon baron Prado Monté. Et le baron ne m'a même pas de trucs là. Si vous êtes convoqué ce soir, c'est parce que. Beaucoup de gens me disent que Tata Lolo ne répond pas à X, ne répond pas à Y. Parfois, le silence tue. Parfois, le silence t'amène à la tombe. Mais à un moment donné, il faut que tu parles. Vous comprenez, non? Il faut que tu parles. Et quand tu ne parles pas, ça te tue. Certaines personnes croient qu'elles ont le monopole de parler. Vous comprenez? Comme la noirate Satana, qui s'assoit matin, midi, soir, elle parle de mon nom. J'ai cru entendre qu'elle a dit que Lolo doit demander pardon par rapport à Mami Power. Hein? Je t'emmerde, je t'encule sans vaseline. Tu as compris? Je t'emmerde, je t'encule sans vaseline. Comme moi, Lolo, je m'assois pour venir demander pardon à Mami Power. Vous êtes malade sur votre cerveau. Je dis que c'est le coquille qu'on met dans votre tête là où c'est le pensant qu'on met dans votre cerveau. Tu te lèves, tu dis que moi, Lolo, je vais demander pardon par rapport à Mami Power. Hein? Je te mets ça par derrière. C'est toi, les clients de 20 euros. Si la prostitution de camion de 20 euros, de 15 euros t'a dépassé, par exemple, d'où tu es là, on t'a accouché à le Seigneur Baba. On t'a accouché dans la pimenterie. C'est dedans qu'on t'a accouché. Par exemple, tu avais raconté que tu vendais une caisse de cigarettes devant le cinéma Concorde. Tu connais ce que me dit l'adresse? Une femme qui dit qu'elle vendait la cigarette devant le cinéma Concorde. Moi, j'habitais au Congo, j'étais une enfant rebelle de la famille. J'ai fui mes parents, je suis allé rester à Dolé, je suis allé rester chez mon grand-père Dedo. Et on m'a amené maintenant, j'ai fui, j'allais retrouver les cousines de ma mère. J'ai dit les cousines de ma mère qui habitaient à quoi? Il y a une qui venait de la France. Va bien te renseigner. C'est là où je suis allé habiter à quoi? Je sortais avec un gars Douala qui habitait en face Concorde. Tu connais, moi je connais le quartier où tu habitais là. C'était le quartier de Maboya. Quand tu vois une famille de 7 enfants habiter dans une chambre. La nuit, elle met les matelas par terre pour dormir. Tu dis que tu vendais la caisse de cigarettes, que tu as grandi dans le milieu de la prostitution. On t'a enseigné la pute depuis que tu es né jusqu'à ce que tu as grandi. Tu es venu me dire que moi, je fais la bonne nuit. Maman, regarde-moi bien debout. Quand tu me regardes, je reste à ma fille qui peut vendre le piment de 20 euros. Maman, regarde-moi bien debout. Regarde-moi bien. Je ne sais pas seulement qu'on dit que le sabotage, les endroits que je suis entré, tu as fait 20 ans de France, tu ne vas jamais entrer dedans. Moi, j'ai 12, 13 ans de main. Bien compté, j'ai dit 13 ans. Ma petite sœur, c'est qui m'accompagne à l'aéroport. Ma petite sœur, c'est qui m'accompagne. J'ai eu en Europe 1 an, ma mère est morte. Ma petite sœur, c'est qui m'accompagne à l'aéroport. 13 ans de bain. Vos années de bain, vous me dites que elle a 20 ans de bain. 13 ans. Et en 13 ans, j'ai eu le jackpot de 3 blancs. Et puis, j'ai eu le bilan de cette jackpot-là. Une saleté. Tu me dis que quoi? Quand j'ai demandé pardon, parce qu'il dit Bami Power. Merde. C'est l'affaire là qui me choque. Le baron était coup de soin, mais l'affaire là m'a choqué. Que moi, je demandais pardon. Parce qu'elle dit, Bami Power, maman, tu attendras quand la poule aura les dents. Quand la poule aura les dents. Et j'assume Bami Power jusqu'à demain. Tu as compris quoi? J'assume Bami Power jusqu'à demain. À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises là. Tu es malade. Parce que tu ne comprends pas te fabriquer. Tu fabriques, tu es mon fabricant. Tu es mon sale et noir poutu. Et quand moi, il faut encore des poissons brûlés. Tu embaumes la toile, tu vas te faire voir. Il faut que tu divises les gens. Tu insultes les gens par-ci par-là. Tu te crois au-dessus de la loi parce que tu es quoi? On te remarque parce que tu es noir et sale. Alors, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un sur toi? Tu appelles mon gars ne travaille pas. Mon gars travaille. Mon gars, je l'ai connu en France. Je ne suis pas resté en carence de Bangala pour être jeune homme en Afrique. Je suis pas allé faire un jeune homme en Afrique. Quand je pars en Afrique, pour aller, je ne baise pas. Si elle fait 2 mois, elle fait 2 mois vierge, le Bangala n'entre pas dans mes fesses. Je m'amuse avec mes frères, je rentre. Parce qu'il y a quelqu'un qui me touque en Europe. Tu parles de mon nom, tu parles de moi, puis tu parleras de moi toute ta vie. Parce que tu veux t'accrocher sur moi pour être star. Tu veux t'accrocher sur moi pour être star. Tu insultes tout le monde, tu insultes les Doudou Ngama, tu insultes tout le monde. Mais moi,
Tu vas me jeter 100 ans. Vous avez dit faire créer un groupe de tribalistes contre moi. Je t'ai dit que je vais te reprendre. Tu ne te reprends pas bien parce que je suis du train de mon stage. Tu as dit que tu travailles pour moi. Je suis stagiaire. En France, je suis stagiaire, maman. Je suis stagiaire en France. Tu as compris? Je suis stagiaire en France. Je fais un. Je me prépare pour un avenir meilleur. Il y a une souffrance à même temps dans la vie. Voilà Joe Biden à 83. Il sera président des États-Unis tant qu'on vit en espoir. On ne dort pas la vie. Ce n'est pas les énergumènes, les déchets de la nature. Les femmes finies comme toi. Mais tu as commencé la prostitution à bas âge. Tu as commencé à sucer les bangalas pour payer les caisses de cigarettes, pour mettre dans la caisse de cigarettes. Quand même, pute, qu'on a lavé les fesses, lavé les fesses, on a versé l'eau des spermes devant qu'elle a quoi. Elle va venir parler devant, tu parles devant qui? Hein? Tu vas devant demander pardon à Bami Power, tu es malade? On ne te fabrique pas! Tu n'es pas que je vais demander pardon à Bami Power, tu es malade, je suis une digne fille parmi lesquelles. Ma chérie, j'assume mon peuple de mon appel demain. Je ne suis pas une Bamileke, je suis une Bamileke qui a le respect pour la tribu de l'autre. Je suis une Bamileke qui a le respect pour la tribu de l'autre parce que je ne suis pas tribaliste. Tu es arrivé ici là sur la toile. Tu es venu coller la tête des Camerounais. Aujourd'hui, j'ai vu les écans qui étaient derrière elle. De venir suivre l'histoire de cette sorcière là. De cette pourriture là. Erreur de la nature. En quête de la visibilité. Maman, avant d'arriver dans les réseaux sociaux, je ne suis pas arrivé dans les réseaux sociaux parce que je voulais être dans les réseaux sociaux. Si je voulais être dans les réseaux sociaux, je devais être. Non, laisse-moi ça aura engoulé. Il n'y a pas de fabrication. Laisse personne va la regarder. Qui l'ignore dans les réseaux sociaux? Qui l'ignore dans les réseaux sociaux, qui ne la connaît pas. Tu vas te dire quelque chose qui est Aurore, Aurore Angoula. Aurore, la Stamaya que tu vois ici, hein, c'est quelque chose que Dieu donne. On ne force pas. Tu peux être avec quelqu'un qui fait le direct tous les jours, mais tu ne seras jamais star. Chacun a sa destinée dans la vie. Même si c'est pas indépendant 24 mois, et qu'ils ne vont pas, ils vont pas l'aimer. Ça ne va rien faire. Mais il y a un moment donné, il faut parler, il faut répondre aux énergumènes, aux sales choses comme ça là. Parce que la pêche chose. Une fois qu'il va ramasser dans mon col ici, mon camion pour l'amener, un sang au pasteur, mon frère. Et c'est le même prêtre là qui l'a livré lui pour se rendre pour venir chercher les clients dans le camion. Qui ignore votre système. Tu es vous partez chez les prêtres pour un lombon de menyanga. L'huile pour te oindre, pour attirer les clients de 15 euros. Maman, on fait le grima pour avoir les milliardaires. On fait le grima pour avoir les clients de 10 euros, 15 euros. Quand tu chies, tu pisses dans le camion, tu manges dedans, tu l'as dedans, tu fais tout le camion. Je vais aller faire le grima pour faire quoi avec ça? Allez m'appeler celle-là qu'on a droité au jour de son mariage là. La saleté là, la racaille. Qui paye pour qu'on ait un mariage froid? Ce n'est pas ça, Aurore. À un moment donné, il faut dire la vérité. Ça parle de vie dans les réseaux sociaux, je ne la connaissais pas. Elle me dit carrément que elle me connaît depuis à quoi, ma chérie. Après tant, excusez-moi s'il y a passé de lumière. Hein. Il y a passé de lumière. Elle dit avec un prêtre, Julie Loé, Sango Pasto. C'est le prêtre qui fait le médicament pour l'huile. L'huile pour se rouler pour attirer les clients dans le camion blanc qu'elle a déposé depuis qu'elle est arrivée en France. On a dit que maman, voilà la roue du camion, c'est là-bas qu'elle assise. Elle allait ramasser un clochard qu'elle appelle blanc. Les blancs que l'arrière-grand-mère avait fait la guerre, la troisième guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Il y avait le souvenir d'une vieille maison en carapote. Parce qu'en Europe, on appelle les maisons en carapote. Les maisons au temps avant de Gaulle. Les maisons au temps de Louis XIV. On a donné la maison là. Elle a divorcé. Elle est venue dire je suis propriétaire en France. Elle a le conçu dans une ville après Ayos. Dans un petit village perdu d'Ayos. Elle est là ça. Tu payes quoi? Tu ne peux pas les maisons. Ta maison que tu as construite, là, c'est deux paires de Metchaka. C'est deux paires de Monsieur, sur mon frère. Et quand moi, il rien tombe, quand tu t'es regardé, mon frère, tu es comme le chimpanzé. Tu es laide. Je dis que plus que le mot laide, tu vas demander aux gars qui sont allés à l'école de me trouver le mot, créer un mot pour déterminer ta laideur. Tu t'assois tout le jour sur moi. Le lot, faut déjà faire le camion. Le lot, faut déjà arrêter. Hé! Ne me mets plus jamais dans ta catégorie. Nous ne sommes pas de la même catégorie, maman. Tu vas me pondre tes enfants, je n'ai rien à foutre. Nous ne sommes pas la même campagne, tu ne peux pas manger à table. Tu ne peux pas aller dans les milieux que je pars. Tu ne peux pas fréquenter les Européens fréquents. Quand un blanc a la bouche pourrie, je ne sors pas avec lui. Quand un blanc a la bouche pourrie, les dents cassées, je sors pas avec lui. Quand ses dents sont noires, je ne sors pas avec lui. Quand un blanc dans les pêtes blanches au Bangladesh, je ne sors pas avec lui. Toi, c'est avec ton genre de blanc. Les clochards qui viennent courir dans le camion, là, c'est déjà la quatrième que tu baises. Tu m'as bien regardé debout.
Une fille qui a une référence, tu veux parler de la vie, parce qu'on t'a donné l'opportunité, mais tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu dis que j'ai parlé de l'autre fois, mais tu vas parler de moi, je suis ta star. Tu fantasmes moi. Même si mon job l'a entendu, un gars, ton est abîmé. Ça, c'est un ton pourri. C'est lui qui est pourri, que de pourri. Une saleté, tu t'assois, tu t'assois, tu dis que ma sœur, je suis même pas venu là pour t'insulter. Parce que tu as dit dans un direct que l'autre fois, elle a demandé pardon par rapport à Babi Power. Hein? C'est pour ça qu'on dit chez nous à Baraté. Et tu comme ça, pardon par rapport à quoi? Moi, Lolo Fodja, je demande pardon parce que je suis venu défendre l'honneur de mon peuple. Mais tu es malade. Va faire ça au Bamileke Mouton. Moi, je ne suis pas un Bamileke Mouton. Va faire ça au Bamileke Mouton. Mais avec moi, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Tu es mon pire ennemi sur terre. Tu t'es levé un matin. Tu t'es acharné au peuple Bamileke. Tu as insulté pendant des années. Tu m'as vu répondre un jour. Tu m'as vu répondre. Tu viens de dire quand même que c'est Lolo qui a créé le tribalisme. Hé! Je voudrais seulement éclaircir ce point-là parce que je n'ai pas le souffle à perdre pour venir discuter avec une déchet de la nature comme toi. Une femme que s'il n'y avait pas l'euro, tu serais perdu dans la nature. Mais moi, sans Beng, je vivais. Moi, sans Beng, c'est la même place qu'on me donnait les années à Beng. Par contre, vous ne verrez pas comprendre comment je suis classe et Nyanga. C'est dans le sang. Je suis d'obèse intelligence. C'est dans nous. Devenez éclaircir ce côté parce qu'on ne se voit que, oh, Lolo ne répond pas. C'est non, je dois répondre. Vous voulez me déposer une étiquette qui n'est pas la mienne. Je n'aime pas le mensonge. Assumez ce que vous faites. Peloula, ma belle-sœur, la femme de Boabala. J'ai dit que assumez ce que vous faites. Ne venez pas aujourd'hui, vous faites le match arrière, faites le camion de sable quand vous voulez vous racheter. Après les élections ici, là, les directs fusaient de partout. Tu étais la reine. Tu es venu manipuler le peuple écran. Un peuple qui vivait en qui? Un peuple accueillant. Tu es venu faire, vous êtes venu vous asseoir dans les réseaux sociaux, une bande de femmes frustrées, une bande de femmes papiers qui ont braté leur direction en Europe. D'autres sont arrêtés, d'autres sont perdus à la nature. Comme elles ont faim pour demander à manger, il faut qu'elles viennent s'asseoir pour dire qu'elles sont devenues des patriotes, pour insulter et dénigrer tout un peuple. Nous sommes restés muettes. Montre-moi une blogueuse bamileke qui a fait un direct pour insulter un écran. Avant qu'il vienne parler de Babi Power. Aucune d'elles, en dehors des trucs de basses patriotes. Il n'y a que ça. Mais quand on dit que les blogueuses, tu as vu quel blogueur qui s'est levé et dit qu'elle insultait les camps? Personne. Mais toi, tu prenais ton cul. Quand tu nettoies, ça reçoit le charbon à l'intérieur des pointes blanches. Tu as dit que le loi fond, il a parlé. Mais tu as saboté les Bamileke. Tu nous as dénigrés. Tu nous as insultés. Et je demande au Bamileke qu'il n'y a pas de pardon avec des individus comme toi. Clair. Il n'y a aucun pardon. On ne marche pas dans la manipulation. On ne commande pas l'amour. Le temps passé, ce n'est pas le présent. C'est comme ça et pas autrement. On ne commande pas l'amour. C'est terminé ça. Alors, l'homme de la vie, il ne faut pas la s'imposer. Et c'est pour ça que je m'impose. C'est comme ça. Tu respectes ma tribu, je respecte la tienne. Ah oui. Tu fais comme je veux, faut avec toi. On dit non au tibaliste, il faut que le respect s'impose. Le manque de respect, c'est terminé. Vous avez compris quoi? Une idiote. Tu me dis qu'elle demande pardon. Elle est malade. Après avoir écrasé ma tribu, après avoir insulté mes ancêtres, après avoir dénigré mon peuple, jamais avec Lolo. Je ne demanderai jamais, je ne demanderai jamais pardon pour ça. Envoie-moi à Kodengi. Je prends, je pars. Imbécile. Quand moi, une salope comme ça là, une pourriture, à quoi tu ressembles? Sapac, tu es malade. Quand Lolo va demander pardon, tu es folle. Tu es folle. On t'a enculé pour. On t'a enculé la nuit, le jour avant de venir parler que nous faisons de mal, pardon. Parce que tu m'as donné l'opportunité. Tu es malade. Tu es malade. Va, aide-moi à détester là. Va, aide-moi à détester. Ce n'est pas sur moi. Vous allez vous rassembler. Je suis seul, même que mal dans la rue. Ne venez pas mal. Idiote. Mendiante des vues. Mendiante de la Tamania. Tu ne seras jamais star. Jamais. Jamais. Sapac. Merde. Les Bamileke se sont insultés ici avec les écarts. Tu as insulté au point d'aller au Cameroun. Tu as insulté, dénigré. Avec l'autre qui ressemble à la chauve-souris là. Au Dieu, c'est cache en faux profil pour aller chez Fleur de Lille. Tu n'es pas honte. Va commenter ton profil. Va commenter ton profil. La réalité est revenue. Va commenter ton profil, idiote. Vous savez que vous ne traînez pas avec lui du port. Vous faites quoi avec lui du port? Mais vous cachez en faux profil pour aller commenter. Allez avec vos profils, assumez-vous. Bande de traites! Bande de traites! Vous êtes venus diviser les peuples camerounais! Vous êtes venus mentir aux écarts! Quand non, nous sommes avec vous! On est comme les écarts, vous allez dire que l'homme est camp!
Maman, j'ai le respect pour l'homme écran. L'homme bêtis. Quand l'homme bêtis tape la main sur la table, tu montes, tu descends. Il t'a dit que tu es comme ça. Ça ne change pas. Vous voulez toujours manipuler les babinegas. Par exemple, il me dit que tu mors. Ce n'est pas avec Lolo. Ce n'est pas avec moi. Tu es malade dans ton cerveau. Ce n'est pas avec moi. Idiote. Tu es malade. Moi, Lolo, je m'assois, je demande pardon. Il faut que Lolo demande pardon. Parce que... Mouffe. Ton sale con. Et tes poissons brûlés que tu pisses pour briser là. Chouane. Il y a le bon poisson. Poisson, le poisson, c'est la reine galloise. Le bon poisson. Avec le jus du Cameroun. Il va aller sur le poisson, mais une femme lave ses fesses avec le seau que les clients ont pissé dans le camion. Qui ignore ça? C'est le même seau que tu amènes au camion, que tu ramènes chez toi. Le client a fini de pisser les chiens dedans. Parce qu'il n'y a pas de lavabo, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Quand le client vient te bida, tu prends la capote, c'est dans le seau là que tu jettes. C'est là-bas que tu chies. Quand tu ramènes à la maison, c'est là où tu laves les poissons pour aller vendre au client. Tu crois que tu es mougou? Hein? Tu crois que tu es mougou? Mais moi, vos injures me font. Et tu as déjà madouille Bambleke. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On vous avait averti que sortez du tribalisme. Laissez les gens qui font la politique la faire. Vous avez dit que non, on prend position. Je n'ai jamais pris position en politique. Ne me collez pas une étiquette qui n'est pas la mienne. Je n'ai jamais pris une position en politique. Je prends position quand on manque du respect à mon peuple. Je m'en fous de ceux qui me suivent. Je m'en fous de ceux qui me suivent. Au moment où tu manques du respect à mon peuple, à mes ancêtres, je dis que même si tu es bêtis, tu vas t'insulter. Je m'en fous. C'est comme ça. Ce n'est pas prendre position. Ne confondez pas le français. Je défends mes honneurs. Je défends mes origines. C'est normal. Même les Français défendent leurs origines. Mais attends, vous êtes malade ou quoi? Et ça, c'est comment pour dire que le nom ne demandait pas. Je n'ai jamais dit sous ma vie, je ne dissous rien. Parce que ma vie, ce n'est pas un concept tribal. Ce n'est pas un concept haineux. Ce n'est pas un concept de division. C'est un concept de vivre ensemble. Je demande au frère Bambi que ça doit rester dans la conscience. Apprenons aussi à développer l'Ouest. Nous avons besoin de nos frères bêtis venir être voisins de frère Bambi. C'est ça le Bambi pour le vivre ensemble. C'est ça le Bambi. Ce n'est pas la division. Ce n'est pas la haine. Vous allez manipuler ça. Parce que une certaine petite minorité de villageoises, des saletés, des souris, qu'elles ont vu la rue, elles ont vu la lumière à Simalen, elles ont vu même quelle direction prendre. Elles sont perdues en Europe dans les brousses, dans les camions de toutes les couleurs, les jaunes, les marrons, les kakis. Elles veulent s'asseoir pour dire que, comme on a dit que Facebook appuie vidéo, elles veulent s'asseoir pour dire que les Bamileke sont sales, les Bamileke sont ceci. On vous a regardé, mais à un moment donné, j'ai tapé la main sur la table parce que j'en avais marre. Ah oui, j'en avais marre. Même mes soeurs quand qui me suivent le savent que le nom n'est pas tribaliste, que c'était une goutte d'eau qui a débordé le vase. C'était avec combien d'années? Après un an et demi. Cet acharnement là. Toi, tu peux parler de Bambi Leke quand tu te regardes. Elle a fait l'école primaire, Lolo. Je suis. Le Cameroun doit m'honorer. Le peuple camerounais doit m'honorer parce que grâce à moi, le tribalisme s'est terminé sur la toile. Vous alliez déjà. Vous demandez pardon parce que vous avez la haine avec Lolo. Vous êtes obligé de vous aligner. C'est moi qui ai mis fin au tribalisme sur les réseaux sociaux. Vous prenez le chemin. Vous prenez le pas. Parce qu'on dit, hein, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez insulté, tout le monde avait peur. Il n'y avait aucune blogueuse de Bambi Leke qui a eu le courage. Vraiment. Après, elle va insulter Dieu Cyclone. Celle-là, celle qui est à mon tonneau, là, celle qui est grosse, on ne connaît pas. Voilà aussi mon cou. Son cou est collant et son menton. Elle s'assoit tous les jours, elle pète dans son gueule. Avec son tas de graisse, elle insulte les Bambi Leke. Et au lieu de l'affaire de Dieu Cyclone, c'est transformé l'affaire de Bambi Leke. Ma chérie, même si c'est toi, je suis venue m'asseoir et j'ai fait mon travail. Je ne regrette pas. Elle a défendu, j'ai défendu. Et tu oses me dire que tu dois demander pardon? To you now? Regarde-moi ce qui se laisse faire que Lolo, tu as vu mon corps. Quel corps? Tu as vu tes bagages que tu appelles 5 là? Tes seins sont siliconés. Vraiment. Tes seins sont siliconés. C'est les mabous qui ne veulent pas voir que tes seins sont siliconés. Mes seins sont naturels, maman. Tu dis que c'est 4-5. C'est 4-5 des femmes naturelles. C'est tout. C'est Dieu donné, maman. C'est 10 000 euros. Hein, c'est 10 000 euros chez le chirurgien, ma soeur. C'est la fabrication de Dieu. C'est la main de Dieu qui est sur moi. Quand on m'appuie, il a le goût.
Je suis, on a fait les coups des pompistes là. Les coups de sauvetage. Le premier secours. Le professeur nous a dit qu'un jour, il a, la pire des choses qu'il a eu dans sa vie, c'est quand il voulait faire les massages cardiaques. C'est ça, non? À une femme qui avait des seins silicone. Qui n'arrivait pas parce que la femme était, ses seins étaient comme ça. Et quand on fait ici, on fait aussi au milieu, il était obligé de prendre sa main, mettre par là pour centrer le milieu. Ouais. Je te jure. Ouais. Tu mets pas de quoi? La beauté divine. Elle a fait l'école primaire ou le dos? Demande, elle a fait l'école primaire ou? Regarde bien les mains que tu as fait l'école primaire ou? Regarde-moi. Une femme qui a répandu le Cameroun partout. Au Gabon, en Guinée équatoriale. Moi, le lot, même en Belgique, je réponds le Cameroun. Une souris de l'église comme toi. Et en partant, comme tu étais la souris, tu as récupéré le prêtre. Tu veux dire parler à Lolo. Augustin. Hein? Voici les gens qui sont venus. Normalement, le gouvernement camerounais, si vous voulez la paix au Cameroun, le gouvernement camerounais, ne soyez pas tribal, soyez patriote. Parce que chaque Camerounais de la diaspora contribue au développement du Cameroun, quel que soit son ethnie. Chaque Camerounais de la diaspora aime son pays. Chaque Camerounais de la diaspora envoie au moins 10 centimes à son, au Cameroun sans distinguer les tribus. Nous sommes l'enfant d'un même pays. Alors les personnes que ces gens-là, elles doivent être arrêtées au Cameroun parce que regardez le jeu que la fille a commencé. Elle a commencé à insulter les Bamlékés. Elle a dénigré le peuple Bamlékés. Et tu m'as dit que vous avez les séquelles. Vous avez les séquelles de Bami Power. Ouais. Ouais. Parce qu'une petite fille, restez calme. N'ayez pas dit qu'on a peur. Une seule personne compte combien de mètres tribales. J'ai tenu dur. J'ai réveillé les esprits qui dormaient. J'ai tapé la main sur la table. Ça a bougé les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle une girl power. Tu n'as pas le souffle comme moi. Tu n'as pas les performances que j'ai. J'ai bougé et c'est resté le séquel de ça. Et sa voix irrite. Ah oui. Elle a une voix qui irrite. C'est ça qu'on appelle une femme forte. J'ai tapé la main sur la table. Tout le monde a tremblé. Les anciennes sont réveillées. La toile a fait boum. C'est que cette fille-là sort d'où? J'ai le mamu à ta. J'ai été initié chez les Batanga. Ça fait boum. C'est le séquel là. Que vous voulez que, oh, elle a créé Bami Power. Parce que le Bamlékés ne connaît pas taper la main sur la table. Le Bamlékés, c'est quelqu'un qui est respectueux. Mais ce n'est pas une peur. Mais moi, je suis né avec les boulous. J'ai les boulous, donc j'ai le comportement que j'ai là. J'ai pissé à mon colo avec les mes soeurs boulous. C'est dans mon sang. J'ai grandi avec la folie d'elle connaît faire ça. On se framponnait. On se framponnait correct. Ma mère, elle est où? On dit qu'elle est là-bas à mon colo. Elle est où? Elle est à mon colo avec mes soeurs boulous. On se bagarre, c'est la famille. Tu es venu, tu as commencé à manipuler les écarts. Quand il arrive au Cameroun, il appelle la basse. Je vais vous faire écouter son direct. Voilà les gens qui veulent détruire le pays. Voilà les gens qui veulent détruire le Cameroun. Voilà les sorciers qui veulent détruire mon pays. Voilà les sorciers à cause du poisson brûlé. Partagez le direct. À cause du poisson brûlé. Elle veut détruire le Cameroun. Donc ta faim, c'était pour venir brûler le poisson dans le tonneau. Ya, yeah. Tu mens. Personne n'a pris le poisson là. Là, voici ici là. Ma noirade. Moi, ma. Voilà ça. Le poisson, à cause du poisson brûlé. Allez me biper les gens du Cameroun. La femme, si vous voulez détruire le Cameroun. Voilà. Elle est sur la basse. Elle appelle dans les gars de la basse. Hier, en partant du Cameroun, elle dit que les Bamlékés sont les sorciers. Elle est arrivée au Cameroun, on est venu l'arrêter pendant le fait, on a manqué du respect dans son propre village. La honte de ça. Dans son propre village, on a dit qu'elles amis que. J'en pars. Allons. Elle a commencé à dire que la basse, oh la basse. Au secours. Elle est venue manipuler les écans. Et quand elle a dit que ça s'est retourné contre elle, elle a dit que la basse venait brûler Yaoundé. La voici ici. Écoutez. Elle pleure. Mamie, tu pleures. Regardez les larmes. J'ai même pas vu qu'elles sont sur mon direct. Mais c'est pas le son. Montre pas le zéro fabrication. Et après, moi, je n'ai pas fait les signes. Écoutez, pendant le direct. Écoutez les pleurs. Ça là. Ah, ayam.
Tu as débranché, maman. Ouais. On branche seulement. On va écouter. Ma pleure. Aïe, la langue. Pendant le direct, on a dit que toutes celles qui ont compensé la sorcellerie de diriger les caméras et les réseaux sociaux, je suis là pour vous combattre. Je vais vous abattre. Bande de chiennes, imbéciles, à cause du poisson brûlé. Maman, l'abonné de 20 euros t'a dépassé. Je vais arranger le truc là. L'abonné de 20 euros t'a dépassé, maman. Yeah, même il faut qu'il veut le Canada, doit la faire 20 euros. Merde. Tu, maman, tu as brûlé. Maman, hey, ya. Maman, hey, ya. Je vais chercher la langue, c'est quoi? J'ai mis la langue, j'ai mis la langue. Ah, mets la, porte la langue, des bras, tu mets la langue ici. À cause du poisson brûlé, quelqu'un va brûler au Cameroun. Maman, à cause du poisson brisé. Elle met le cube. Elle met le cube, la mère, sa mère qui aime le cube et le jazz sur le poisson. Le poisson, maman, le loin, il apporte, tu as déjà mangé. J'ai mis la prise. Attends, il porte, je dis ça. Julie lui a dit que le PEK à côté. Julie dit que le PEK. Hey, ma belle sœur Petula. Ma belle sœur chérie. Partagez le direct, non? Merde. Partagez le direct. J'ai dit que je suis prête, maman. Jusqu'à dire que t'en remets. Maman, je n'ai peur de personne pour le clash. Pour clasher, là, je connais. Je connais sauter, je connais crier, je connais tourner mes seins comme ça. Et quand moi, une bande de chiens qui peuvent t'arriver mes photos, une seule personne a dit faux profil. Une pute parmi vous, là, m'a encore mes photos sur leur page. Je mets vos photos où on a fendu vos lèvres. Je vais mettre les photos de mon père tout. Je vais vous traiter maintenant. Une bande de silicone. Silicone. Les mains silicone. On parle direct sur YouTube. La fille a manipulé le peuple et quand elle a insulté les Bamlékens jusqu'à. Il n'y a pas le volume là-bas. Elle a insulté les Bamlékens jusqu'à. Comment les gens mangent le porc? Comment ils sont sales? Comment les femmes sont laides? Comment les assis? Maman, chez moi c'est un point d'âme, pourtant il n'y a pas de pardon dedans. On t'a pas dit. Toutes celles qui likent ta page, je bloque sur ma page. C'est comme ça. Mais tu es ma soeur, te bloque. Voilà comment la fille arrive ici. Elle vient, elle insulte. Elle avait commencé comment? Elle est venue être amie avec moi. Je ne la connaissais pas. Elle voulait être, elle n'est pas venue. Elle voulait être mon amie. Pardon. Après, elle est partie faire l'amitié avec la veuve joyeuse. Elle est venue à ma. Tu sais pas que la veuve joyeuse a grandi à Yaoundé. La veuve joyeuse a grandi à Douala. La veuve joyeuse ne connaît pas Yaoundé. Elle a grandi à Douala, dans sa ville même. Quand on dit qu'elle est quoi, elle est Douala. Son repère, c'est Douala. Tu as vu la veuve joyeuse, je vais aller faire la vie à Yaoundé. Elle ne connaît pas. Elle fait la vie à Douala. Tu as l'air ta sorcellerie, une sale villageoise comme toi. Pour la contaminer, pour tu voulais l'amitié avec la veuve, qu'elle vient aussi orner ton mariage de deux chaises. Où on doit doiter. Tu as ramassé le sang au pasteur, l'amener en Europe. Le sang pour qu'il te fait une huile. Tu as que quand il s'appelle toi, les clients de camion vont venir. Tu as ramené le tir dessus, il est là-bas devant toi comme le pot de fleurs. Bébé bloque. Bébé bloque, pas blocage. Ouais. Tu veux parler à qui? Tu parles à nous qui se lève le matin pour travailler. Tu peux connaître le fait que papa fait la connu dans sa vie. Il peut venir un déchet comme toi. Une erreur dans la nature comme toi. Regarde comment tu es. Regarde comment toi tu es. Tu dis que j'étais appris à mettre le fond de teint. Mais fais encore un peu bien. Ben là, même maman Guéa va se ressusciter. Ben, tu n'es pas son modèle. Même maman Guéa, tu n'es pas le modèle. Maman Guéa, essaie de ressusciter. Ben, même la qualité n'est pas bien. Fais encore bien faire ton fond de teint là. Je vais m'écouter. Après, elle est revenue maintenant faire la vie. Elle est partie gâter les mots Djang. Elle est revenue avec Doudou Ngamba. Quel sabot aujourd'hui qu'elle veut ressusciter Doudou Ngamba. Et maintenant, elle est revenue encore sur compresseur. Tu as dit que compresseur, tu la connais où? Tu la connais où? Tu dis que compresseur la plus gentille, compresseur la plus belle. Quand tu as dit que ça tournait mal là-bas, tu as commencé à dire que non, compresseur est mauvaise. Tu as vraiment fait un chien. C'est là-bas, je m'en sais, Bamlékens, que tu pars. Franchement. Tu mens. Elle est Bamlékens comme moi. Mais le Bami parle, on va t'encercler. Tu n'iras ni chez les Ekans, ni chez les Bamlékens. Tu vas rester seul. Tu vas dire pourquoi tu voulais diviser un peuple. Pourquoi tu voulais coller la tête entre les Bamlékens et les bêtis. Pour avoir, pour briser le poisson brûlé. Le poisson que tu laves tes fesses avec le sperme, le capot des clients. Viens mettre ça. Du camion. Voilà ce qu'elle disait de bêtises. Elle parle le pays de Paul Biya. Elle appelle les gars de la base. Venez, venez.
Oh, venez, sauvez-moi. Là-bas, c'est où? Voilà ça. Ma pleure, regardez comment elle est laide. Maman, même les rastas, ils conduisent à tout le monde. Ta soeur qui est là, comment elle a mis les rastas? Elle sait que je regarde, t'as pas de rastas. Avec le rouge, elle lève des cadavres à la bouche, imbécile. Je ne peux pas monter son visage, quoi, je suis fait. Sa voix m'irrite. Ouais, mets le venu, homme. Elle pleure, quoi. Mets bien le bruit, ouais. C'est pas ici, comment elle m'a pris? Ouais, ouais, pourquoi elle n'a pas envie le dire? Ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas le direct là. Oh, ce n'est pas ça. Le direct de la basse là, ce n'est pas ça. C'est au début. Non. Téléphone. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question d'abus au pouvoir ou quoi? Vous arrachez mon téléphone pourquoi? Voilà. Partagez la vidéo là. On a partagé aujourd'hui. Partagez, écoutez. La manipulation. Désolé. La sorcière. Moi, voir. Satan, là voici ici là. Oui. Moi, Satan. Demandez qu'on m'arrache ma. Elle voulait brûler au Cameroun. C'est mon téléphone, ce n'est pas le faute. Partagez-moi la vidéo. On va me battre, ça va, il va vous mettre. L'abus, l'autorité au Cameroun. Voilà. L'autorité au Cameroun, oui. Aka Djoma. Djoma, il y a de Djoma. Quelle est la raison? Partagez. Partagez, non? Mais monsieur, vous croyez que quoi? Moi aussi je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. Vous faites ça à votre petit villageois ici là. Toi tu es quoi? Tu es dans la villageoise. Donnez-moi la raison pour laquelle vous voulez me ramener sur. Mais tu as amené Corona au Cameroun. Tu as amené Corona. Je veux cette normal. Vous êtes des médecins? Oui, ils sont les médecins. C'est dans ton village, hein. Ce n'est pas dans le village des porcs. Il m'a brongo là sans raison. Ah bon? Partagez. On va partager, mamie. On va partager. Moi, Satan. Sorcière. C'est mon droit. C'est une bonne séquence. Va faire mon téléphone. Va faire mon téléphone. On m'en vêtue de quoi? Dis donc. Mais je filme très bien même. Je filme. Vous m'avez filmé, je vous filme à aussi. À cause du poisson brûlé. Vous m'avez filmé, je vous filme aussi. À cause du poisson brûlé. La France voulait brûler le Cameroun. C'est toi qui vas brûler le tout si. Ma bien éduée. Ça n'a rien à voir. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. On partage. Mon téléphone. Mettez mon téléphone. On partage. Laissez mon téléphone. On ne laisse pas. Laissez mon téléphone. Voilà ça. Allez-y. Voilà ça. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Oui, c'est le Cameroun. Voilà le Cameroun. Voilà. Oui. Oui. Voilà le Cameroun. À quoi voilà du poisson brûlé. Voilà ça. Le poisson brûlé. Il a plus le pouvoir. Il a plus le pouvoir. Voilà, écoutez. Partagez-moi la vidéo là. Ma doigtage. Partagez-moi la vidéo là. Elle dit que je vais la doigter. Casse la chicote. Partagez. Casse la chicote là. Casse la chicote là. Maman, t'as gâté. Partagez. On partage. Voilà, je vois ce qui se passe au Cameroun. Maintenant, voilà ça, écoutez. Après, voilà. À cause du doigtage. Le doigtage de la chicote a rendu folle. Regarde la maison qu'elle a construite au Cameroun. La carabote. Regardez-moi la maison. Vraiment, le type de la vidéo. Partagez-moi la vidéo là, pour tout le monde entier voit comment on traite les citoyens camerounais dans leur pays. Tu as vendu, tu dis que tu es carnot. Quand tu avais pas Paul, tu viens vendre dans son pays. Quand on partage en Europe, on partage partout, tout d'un coup tu es venu. On va partager, partager. Je veux qu'on me traite comme il se doit, avec tout le respect qui va avec. Il n'y a pas question d'abus au pouvoir ici. On en a ras le cul, ras ma claque. Ah oui. De vos comportements de barbare. Ah parce oui. que vous êtes habillé en autorité. Voilà. Aïe, aïe. Quand il est venu vers moi, là, il est venu faire quoi? Partagez-moi la vidéo là. Non, partagez-moi. Le tour du monde. Vous allez faire le tour du monde. J'attends mes clés. Quand je vais arriver sur Yaoundé, je vais être logé où? Je vais me changer comment? Tu loges où en France? Je suis une femme, je vais me changer avec toi. La carabole, la troisième guerre mondiale. Oh bah oui, oui, oui. Maintenant, vous changez de ton. Je vous ai dit que hein, c'est ici là. Moi, vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir ici, mais moi aussi, j'ai le pouvoir. Voilà. Le mien. Quel pouvoir? Quand tout le monde voit bien ce qui se passe. Il a dit que même les talibans, les gens de la basse là, prenez la vidéo là. Les talibans, les gars de la basse, prenez la vidéo. Appelez Calibri. La trahison. La trahison. En plein Ayos. La trahison. À cause du poisson brûlé, Manouarat. À cause du poisson brûlé.
Non, Satan. Dans un jour de confinement, mes tests sont sortis négatifs. Le lendemain, je vous déboulais ici. On vous ramène sur Yaoundé. Coordonnez-vous. Vous me ramenez sur Yaoundé. Mm-hmm. Quelle est la raison? C'est quelle la raison que vous me ramenez sur Yaoundé avec? N'est-ce pas, tu as construit? Tu vas loger ou comment? Tu as construit. Comment tu comment quand tu as construit? Là, tu avais logé ou tu as construit? Imagine, hein? Partagez. Ah, on a partagé. Partagez-moi. Ah, on te partage. Partagez. Mmh. Bah oui, mais je l'ai déjà, je vous ai montré ça, oui ou non? Les autorités m'ont fait. Je vous ai pas montré ça. Mmh. Ces tests sont négatifs. Montrez à mon Dieu qui j'aime qui voit. Mais ils l'ont déjà, mon Dieu, bizarre. Ah, ma bonne, X ou Y ce soir. On ne peut pas venir me chercher comme ça. On ne me donne pas la raison. C'est que la première fois. Oui. Ils sont partis parce que vous avez montré un document. Mm-hmm. On avait la madame qui est directeur de la promotion de la santé. Je suis dans mon droit de savoir le pourquoi vous voulez m'amener à Yaoundé. Tu es au Cameroun, mon frère. Tu es le directeur qui est allé venir me détruire le Cameroun. Ouais, la vidéo là. Elle m'a pas envoyé la vidéo. Moi, j'aurais des choses comme ça. Quand vous envoyez les vidéos, il faut envoyer les bonnes vidéos aux gens. Si vous envoyez une vidéo, moi, je ne vois pas la partie. Là, c'est la partie là où elle appelle les gars de la base là que moi je veux, Tito. Dans la voiture. C'est la partie là que je veux. La partie où elle appelle les gars de la basse là. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà l'appel, les gars de la basse. Quand elle revient en Europe, elle se rend compte que les écarlons l'ont déjà lavé. Elle revient sur les bamlekés. Elle se rend compte que le poisson brûlé ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des alliances avec les bamlekés. Elle comment dire que les écarlons sont des hypocrites, les écarlons sont traîtres, des mauvaises personnes. Oh, on avait même raison sur eux. Elle verra prendre le viol pour venir dans les bamlekés. Ma chérie. Une femme bamileke qui est fière d'être bamileke, vous achetez le poisson là, c'est que vous avez maudit vos ancêtres. Une femme bamileke qui achète le poisson de ma bulle, une femme écang qui achète le poisson de ma bulle, c'est que vous avez maudit vos ancêtres écang. Cette femme ne mérite pas ni les bamileke ni les écang, c'est une sorcière, sans qu'elle est noire. C'est noire Satan, la vampireuse là. Elle est venue détruire un peuple à cause du poisson bulle. À cause du poisson brûlé en France, maman. Si tu as fini de la, tu as fait la prostitution de 20 euros, de 15 euros, ça te dépasse, maman. Viens laver les fesses des blancs comme moi. Viens pas laver les fesses des blancs. On enlève le caca comme moi, maman. Tu m'as oublié de vouloir détruire tout un peuple, deux tribus, pour vendre le poisson brûlé. Tu parles dans le direct de ma soeur, Bamleke, dis que quoi? Franchement. Tu parles dis que quoi? Quand tu demandes pardon, Bamleke, ton pardon est irrécevable. Ton pardon la poubelle, tu ne seras pas pardonné. Tu n'as demandé pardon au peuple camerounais, pas au Bamileke, parce que tu as offensé les écarts. Tu as voulu brûler un Cameroun, tu as voulu détruire une patrie. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Une affamée. La prochaine a dépassé, maman. Lave tes fesses, tu ne vas pas nettoyer les caca des blancs. On va nettoyer le caca, on va changer leur couche. Tu es devenu, je suis venu manipuler deux peuples, tu es une sorcière. Tu dis que le leur font dire quoi? Moi, demandez pardon. Vous avez laissé pendant combien de temps? Vous avez lavé les bamlekés pendant combien de temps? Comme une femme power, je suis venu. Comme le Messie, j'ai fait ce qu'il faut. Je ne demande aucun pardon. Il n'y a aucun pardon. J'ai défendu mon peuple. Si ça refait, je referai. Ce qui est sûr, c'est ça. Si ça refait, je referai. Je n'ai pas été fausse avec les filles quand ils sont avec moi. Je n'ai pas manipulé les filles quand elles étaient avec moi. Je leur ai dit, elles le savent. Elles m'ont dit, Lolo te soutient. Parce que c'est trop. Tu as raison de parler. J'ai parlé. Je n'ai pas dit sous Bamleke par moi. Parce que je n'avais pas créé un groupe. Ne m'associez pas des choses, du mensonge. Je n'ai jamais créé un groupe Bamleke par moi. Je me suis énervé pour dire que Bamleke par moi, ce n'est pas la politique. Je ne suis pas les affaires de la politique. C'est un truc pour réveiller les consciences. Parce que quand tu pars à l'ouest, il n'y a pas autant d'immeubles comme à Yaoundé. Il n'y a pas autant d'immeubles comme à Douala. Il est temps que le peuple bamleke soit conscient et conscient sur les immeubles pour amener les autres ennemis du Cameroun à aimer l'ouest. C'était ça le Bami Power. C'était pas tribal. C'était pas la division. Tu viens maintenant t'accrocher sur moi. Que je demande pardon. Tu n'auras aucun pardon de ma part. Et j'assume ça jusqu'à demain. Il n'y a pas eu de camp, pas, ouais.
Il n'y a pas un gang fan Betty. Il n'y a pas un bazar Pawa. Pourquoi Bami Pawa vous énerve autant? Pourquoi Bami Pawa t'énerve autant? Parce que tu es une manipulatrice. Tu parles à le direct de. Oui, vraiment, je demande pardon à tout le peuple Bamileke que j'ai offensé. Une année, dégage. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Les écartons vomis, tu vas venir chez nous. Tu ne manges rien dans le cuit. Tu vas même manger le cuit. Tu vas même le tarot. Tu ne mangeras point. Reste dans ton coin. Dans ton village. Quand tu as laissé comme héritage avec Augustin. Ici, dans le peuple Bamileke, tu n'entreras pas. Ils vont t'accompagner les faux profits pour m'insulter parce qu'ils aiment les aides moi les décès pour animer la galerie. Mais ton poisson brûlé, brûlé, personne n'achètera point. C'est mon français. Tu as compris? Personne n'achètera point. Saleté. Et maintenant que c'est l'île, tu me peux. Toi, la déchire, tu me peux pour le clash. Elle met les fossiles, Lolo. Elle met d'abord, elle met les fossiles. Le professeur des élèves, aujourd'hui, il n'est pas fait le mec campé. Il a passé les lumières. Je suis blanche maintenant. Par exemple, l'occultation fait le travail sur moi. La vie c'est un choix. Moi, frère, on dit comme ma part, ma frère. Tu es ton noix sale. Ma noix Satan. Tu es laide. Tu es la plus laide des femmes. Et quand tu sors de maman, il tout pourri qu'on a vu mentir. Elle est quand tu es quand où? Il avait vu fille quand laide autant que toi. Avec ses maigres pieds de bois, qu'elle est belle avec quoi? Elle est fausse. Saleté, elle est fausse, elle est fausse silicone. Elle est si belle, elle est si belle, elle est si belle. Alors que tu n'as pas trouvé un bon pina en France, maman. Tu vas prendre le sang au pasteau. Ah oui, Jésus, Maria, ouais, ben, votre esprit. Le, il prend lui, il prend lui d'arachide, il met dans la bouteille, il te donne. Hein? Tu es malade, moi, demandez pardon. J'ai défendu mon peuple Bamileke. Je défends quand tu manques de respect. C'est un manque de respect. C'est un coup d'eau qui avait débordé le vase. J'ai tapé la main sur la table. J'ai tapé la main sur la table. Et j'en suis fier. Les séquelles de ça, c'est toi que ça traumatise. C'est toi que ça traumatise. Parce que tu n'as jamais vu la qualité là. Tu as vu la foule, tu es arrivé sur Facebook. Yeah, c'est comme ça. Et t'as montré que j'ai commencé le duo avant toi. Que je connais la vie à toi. Si c'est pour être folle, je vais devenir folle. Idiote. Et demander pardon, pardon. Puisqu'on supplie la sapac, qu'elle est clash, puis Lolo. Tu vas que ça me fait quoi? Clash. Et suite de mon matin, j'ai dit que tu es ma bonne. Tu es ma china vie. Insulte-moi matin, ce n'est pas ça. Insulte-moi matin, midi et soir. Ça glisse sur moi comme le cuir. Et je peux mettre la bouche d'or. Je suis de repos pour te dire ça. Quand tu te le suis, je demande pardon pour me m'amener. Parce que franchement, on nous a induit à l'erreur. On nous raconte des histoires. Quand c'est le peuple qui t'a envoyé. Quand c'est le point, le peuple qui t'a envoyé venir trahir les équipes, trahir les Bamileke, tu manques. Tu avais la stratégie, tu voulais être star. Et quand les Bami c'est bête. Et quand les Bami c'est un amour. C'est amour quand Dieu. Je ne sais pas ce qu'il y a entre les Bamileke et les camps. Ouais, c'est un amour qui est inséparable. C'est ce que j'ai dit là. L'embrouillamini de ça. Tu as voulu diviser les écarts avec les Bamileke. Tu voulais vendre le poisson brûlé, brûlé. Le poisson brûlé, cherche quoi dans la chambre d'Augustin? Oh, tchap, tchap! Ya! Ma poisson brûlé! Le saut du camion, cherche quoi dans la chambre, dans le poisson de ma brûlé? Oh, tchap, tchap! Ya! Tu vois les Bamileke, sont les Bamileke là-dedans? Je suis né, j'ai grandi chez les Batanga et les Boulous. Mais, elle blague! Moi que tu vois là! J'allais au quartier Mokoro à côté de la quinte qui fait le problème là-bas, je rentre chez ma mère et que ya! Voilà! Saleté! Le poisson brûlé, cherche quoi? Dans la chambre d'Augustin! Oh tchap tchap! Le saut du camion! Le saut du camion, cherche quoi? Dans le poisson brûlé de ma noirade! Oh tchap tchap! Saleté! Tu le payes! Maman Julie Loé, personne ne paye le poisson là! Et quand? Bamileke, même les passants ne payaient pas! Tu vas vendre tes doigts. J'étais qu'un vieux, on parle laver les fesses. Je vais faire la formation, mamie. Je suis allé apprendre comment laver les fesses des blancs. Voici ma presse. Voici ma presse. Je suis à l'école. J'apprends quoi? Dès qu'on lave les fesses comment? Voici ma part d'écriture qui écrit ça à l'école tous les jours. Ça m'a dit, allons laver les fesses. Nettoyer les toilettes. Il n'y a pas de sous-métier à la vie, maman. Tu ne vas pas vendre le poisson mais là, sur Facebook. Est-ce qu'elle dit que le. Tu dis que Flo, il me dépasse. C'est maman, c'est ma soeur camerounaise. Elle me dépasse avec quoi? Elle te dépasse avec quoi? Elle me dépasse avec elle quoi? Dépasse tu vas nous. Non, laisse. Et tu vas nous comparer. Ah. Oh, maman, j'ai oublié que le jour où tu t'es lavé à la baignoire,
tu as enroulé ton corps, tu dis que on t'a envoyé. On ne t'a jamais envoyé, je connais ton pression. Elle va t'envoyer à les classer, tu mens. On t'a jamais envoyé. Tu étais la stratégie. Tu as dit qu'on m'avait envoyé, on m'avait parlé maintenant. Qui tu parles avec qui? Qui te connaissait même, maman? Elle sortait même d'où la fille là? Elle arrivait tout d'un coup, on la voyait. Parce que Mato Sopal qui nous a amené le bagage de charbon là sur Facebook. On te connaissait où? Pourquoi tu dis qu'on m'avait parlé mal de toi? Qui t'a parlé mal de toi? Les noms. Menteuse. Tu voulais être la Starmania. Tu as voulu t'accrocher là-bas. Tu as vu que ça ne donne pas. Tu veux t'accrocher sur le lot. Tu as vu que ça. Tu m'as fait pendant combien d'années? Pendant 2 ans, tu m'as vu te reposer. Je ne te répondais pas. Tu allais t'accrocher là-bas chez Compression. Et tu viens dire que la vie des Compression ne donne pas. Ta vie donne. Franchement, vous êtes folle. Hein. Ta vie donne. Franchement. Mais tu sais, c'est facile d'aller se marier avec un blanc. Tu peux prendre une maison. Mais marie-toi avec un blanc qui te laisse un immeuble à Paris. Que les riches s'occupent des riches. Marie-toi avec un blanc qui te laisse un immeuble à Cannes. Tu prends un blanc qui habite d'où le corps chante encore en France le matin. Coco Luco. Coco, coco, coco. Oui, elle sourit bien. Tu vas te marier avec un blanc qui fait. Qui est dans un sous village de la France où les coqs chantent encore le matin. Coco, 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 coco. Les chèvres sont là-bas. Bé, bé. Les moutons sont là-bas. Bo, bo. Les taureaux. Tu as dit que tu as pris la richesse, que tu as la maison en France, mon frère, qui va l'habiter là-bas? Franchement. Qui va l'habiter là? Ma mère n'est pas l'habiter moi à Bangaté dans mon village. Qui va l'habiter dans le village perdu? Mon frère, là, dès ça m'a arrêté le premier jour. Ce n'est pas bien que tu es parti ramasser le colis. Moi, là, tu l'as amené à France. Même à Bangaté, là. Tu t'as compris, même avec le petit temps. Tu parles de quoi? On n'a pas dit ça. Mais attends, yo. Comme tu as dit que tu es la fille de Maître Mbiaye, tu te lavais dans la baignoire. Tout le monde se lave dans la baignoire maintenant. Bien sûr, c'est même elle a connu la baignoire. Elle l'a connu. Hein? Elle pense qu'elle dit qu'elle a quel héritage. Je suis propriétaire en France. De quoi, dis donc? Je suis propriétaire en France. Pendant mon baptême, ma tête dernière. Il peut me dire avant qu'il presse le poisson brûlé, maman. Dans le tonneau. Les riches marchent avec le poisson brûlé dans le tonneau. Le poisson brûlé dans le tonneau. Les riches cherchent quoi? Le poisson brûlé cherche quoi? Dans la maison de Manoirat. Le saut du camion. Le saut du camion cherche quoi? Dans la chambre d'Augustin. Oh, tchape, tchape. Oh, tchape, tchape. Oh, tchape, tchape. Je suis pas venu danser. Bami Pawa. Aujourd'hui, je vais danser. Tu n'as pas le problème des camps. Les filles camps m'adorent. Tu ne peux pas monter les filles camps contre moi. Tu ne peux pas monter mes followers camps. Parce que les camps, savent que Tata Lolo n'est pas tribaliste. Les camps savent que Tata Lolo c'est quelqu'un qui aime le Cameroun entier. Tu ne peux pas monter les filles camps contre moi. Il n'y a que ta collègue du camion là qui est là-bas, du côté de Gendemanou. Son tas de graisse là qui ne sait pas que. Elle prend le miroir pour mirer son top. Elle vient parler aussi de moi. Cette saleté là, cette pourriture là. Que les camps, c'est dans le camion qu'on dit bonjour à ses fesses. C'est dans le camion qu'on dit au revoir. Elle vient parler. Tu parles de moi, papa, quoi? Toi qui es caché là-bas, le fin fond du camion là-bas, où là? Où tous les. Ouais, ouais, Lolo, mon Dieu. Ouais, envoie-moi ça ici, ma fille. Envoie-moi ça ici, là. Envoie-moi ça ici, nous, elle était dans la voiture. Elle veut parler de Tata Doudou. Tata Doudou est propriétaire d'un domaine. Quand tu es chez Tata Doudou, tu vois, c'est comme on appelle que tu as marié un blanc qui est riche. Elle est née en ville. Elle est née en ville. Elle est née en Vogada. Elle est née en Vogada. Elle est née en Vogada en ville. On ne parle pas de comparables. C'est ça, mamie. Les villageois de Gomeza. Mais c'est maman. Elle est parlée. Tu es parlée par les Camerounais, pas. Tu es à côté du goudron. Tu es née à côté du goudron, ma chérie. On entend les klaxons. Mais dis donc. Mais dis donc. Mais les filles, j'allais pas à côté de la plage. Il y avait la mer, la mer. J'ai marché au bord de l'eau pour aller à l'école. Mais c'est pas donné. J'ai la comme ça, maman. Qui grattait le reste de la marmite. Croc, 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 croc. J'ai mis le téléphone en ligne. Les Camerounais de toutes les nationalités. Appelez, on lave la fille là. Avec sa collègue, ma, la chauve-souris. La chauve-souris de Strasbourg. C'est qui n'a pas bien depuis 8 ans qu'elle est en France. Le cul est devenu le ciment. Elle est toujours dit que le faux d'affaires est de passer ma soeur. Vous allez travailler. Vous voyez que les filles ont abandonné les camps. Vous allez venir maintenant la pub des filles Bami Pawa. Oh la honte de ça. Les filles qui ont insulté les femmes, les qui ont venu derrière. Maintenant, je sais quoi, les Chinao. Les Chinao, vio. Les Chinao. Oh les Chinao. Chez nous, on aime les gens qui font ça là. Vous allez faire ça fort. Vous vous cachez pas avec les propres profits, allez faire le direct, allez commander ça pas avec vos vrais profits, on vous voit. Saïda, bigo, bigo, po. Oh, le poisson brûlé fait quoi le son du camion?
Ouais, là, 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 là. Non, le autre camion cherche le coup. Nous l'avons dit que rêve bien. Oh, gilet zombie, versez les commentaires. Oh. Elle voulait détruire un peuple. Ya, yeah, manouarat. Ya, yeah, manouarat. Mouarat, saleté, pourriture. Regarde-moi comme elle est. Tu as apporté le talent joué dans ta vie. Gars, c'est la veuve joyeuse. Attends. Vous voyez ce Gars, c'est la veuve joyeuse. On a vu ton mari dans Facebook. Un mari de deux chaises et de trois invités. Il fallait voir comment elle était là-bas. Mais si marié, tu ramasses un sang au pantalon, tu la mets au en Europe. Il a même beau à prouver. Il a pris le visa où? Il a les papiers. Tu viens d'attendre, tu dis que t'as le nom n'a pas les papiers. Ton gars a les papiers. Ton gars a les papiers. Ton gars, il a les papiers. Tu prends la nuit. Va. N'ouvre pas la porte là. Hein. Il veut le guitar. Va maintenant me poser publicité. Le voisin connaît. La porte de l'habitation. On va faire le direct samedi. On va fier Manuel samedi. Le voisin la connaît déjà. Il dérange tout. Manuel, me prépare sur toi. Je ne veux pas te laisser. Mais là, je suis avec toi. Balata. Tu voulais la Samaria. Je vais te donner la Samaria. C'est quoi? Qu'est-ce d'abord si c'est la femme là? C'est la femme là. Qu'est-ce la femme là? Qu'est-ce d'abord si elle tu ouvres? C'est la femme là, tu ouvres. Tu la mets un peu ici. Elle veut quoi? Il est 20h. Elle n'exagère pas. Hein. Il s'appaque. C'est qui, yo? Ouvre. Ouais, elle a pas peur. Si c'est elle, tu ouvres. C'est. Oh, si c'est elle, tu ouvres. C'est comment? Ah, je t'ai dit que c'est elle, tu ouvres. Elle a pas peur. La femme, je sais même quoi. Mes amis, quête de mon passant, bonsoir. Tu ne dors pas à 20h. Toi aussi, tu dérages souvent, toi, dis donc. Il est 20h, il est 8h, tu ne dors pas. Ah, toi aussi, t'as là. Elle est où? Mais il est 8h, tu dors déjà. Tu dors à 8h. Je n'entends pas la télévision. Donc, ça quoi la télévision, tu as le coïncide. C'est une fille noire là qui me dérange, c'est une noira qui me dérange. C'est ma noira, dis ma noira. Dis ma noira. Hey, t'es sourde toi. Je suis sourde. Tu veux que je te classe ici, il y a le direct. Hein. Il y a le direct. Je vais te monter ici, te monte ici. Je vais te monter maintenant, pas alors. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais te montrer. Ouais, elle va mettre la belle comme ça. C'est quoi? C'est un déménagement? J'ai dit bonjour ici là. Non. Tu ne dis pas bonjour. Et qu'est-ce qui se passe derrière? La chambre. Et la prochaine, c'est le balcon pour toi. Oh, tchap. L'eau poireuse, il est tendu. Et qu'est-ce que tu fais là qui n'était pas dans ta chambre? Non, bonjour. Lolo Bolingo fait sa pub ici. Faisons lui un prix d'amis. La pause est qui? Le prix de qui? 500. Comment? Je veux la 500. Ah, parce que tu veux. On ne va pas ignorer Elise. N'appelle pas son nom. Toi, tu appelles son nom, je vais te bloquer. N'appelle... Non, celui qui met son nom, si on bloque. Elle s'appelle Marie Noir Satan. Ou Ma Noirat. C'est Noir Satan. N'appelle pas son nom ici. N'appelle pas son nom ici. La ouais. Langue, elle parle. Amène la fois là-bas la cuisine. Elle va me déranger. J'ai compris. Amène là-bas, elle va commencer à parler. Amène là-bas. J'ai compris. Amène là-bas. On écoute ce qu'elle dit. J'habite en bas. Tu habites en bas maintenant. Alors. Tu habites en bas. Au-dessus. Ok. J'entends plus. Et si j'étais en bas. Ah bon. Ah, mais c'est incroyable. Maria Satama Coulissimo. Ça, j'ai presque fini, madame. On t'entend ici, là. Un autre affaire, c'est nous deux. Et on dirait qu'elle est... Ouais, maman, mets la femme d'abord, écoute, qu'elle parle ici, la femme, c'est pas trop. On met d'abord le rouge à lèvres de MLR. Les meilleurs rouges à lèvres, c'est rose bonbon, la marque MLR, Marie La Rose. Hein? Voilà. Le rouge à lèvres qui ne quitte pas. Bon, quand la chico va appeler, voici le numéro, appelez sur le numéro aussi. Bébé, donne-moi mon numéro, c'est bon, on va appeler. Appelez. Quand la chico va appeler. Phone, pourquoi? C'est une question de bureau. 14 jours de confinement, mais... Oui. Ils sont partis. Ah, même là, elle n'appelle pas là. J'ai vu la vidéo là-bas.
Stéphane, donne-moi le numéro, c'est moi qui vais appeler. Quel numéro? Le numéro Nika Mobisi. Est-ce que j'ai ça? Oui, tu as ça. Appelez sur WhatsApp. La fille est venue pour diviser tout un peuple camerounais. La femme s'est gâtée mon direct. Je prends casse, casse ou non? Alors je prends casse en vidéo. Casse, demande-moi la vidéo, je te prends. Demande en vidéo. Il y a le truc de la vidéo. Je peux vous prendre. Celui qui veut parler, appelle en vidéo. Amen, Kamel, ça nous laisse. Casse la chicote de vous, je te prends. Elle est là, je la prends en vidéo. Casse la chicote, je te prends en vidéo. Ouais, elle est où alors? Tu crois que tu vas aller corrompre les Bamleke d'en face? Tu ne vas corrompre aucun Bamleke. Tu ne vas faire corrompre aucun Bamleke. Moi, je te dis ça. Aucun Bamleke, tu vas corrompre sur la terre. Même aucun écran. On vous a vu. Tu es venu faire la Stamania. Tu es venu faire la Stamania. Tu voulais vendre le poisson brûlé. Alors, pour venir, il fallait faire comme Tata Doudou. Hein. Tata Doudou, elle a fait son truc. Elle est connue. Elle avait le truc 4000 vues. 4000 vues. Sans clasher. Sans faire le Congo ça. Sans déranger quelqu'un. 4000 vues. Pour toi, il faut t'asseoir le matin. Lolo, c'est une chienne. Tu vois, on est au courant hein, que Lolo, c'est une bordel. Que Lolo est stérile. On est au courant de tout ça. On est le mensonge dedans. Oh. Elle a tué au Gabon. Tout ce que tu dis là, c'est périmé. Tu ne vas pas vendre le brûlé là sur la toile. C'est moi qui te parle. Aujourd'hui, je te laisse à crédit parce que la voisine est là. Samedi, je reviens sur toi. L'inspiration de ça. Je vais brûler avec toi, Samedi. Parce que aujourd'hui, quand tu es en sémission là. Elle doit aller au travail demain. Samedi 20h, il m'assoit sur toi. Il va te piler comme un pilotaro. Samedi 20h, je vais te finir. Tu es qui? Ben, tu as compris. Vous avez dit pour vivre vous-même. Hein? Ouais, casse alors. Casse la chicote, appelle sur le nid. On va prendre casse la chicote. Casse la chicote, elle a les choses à nous dire. Elle va nous raconter l'histoire de doigtage la aura. Une doigteuse. Tu vois, tu. Casse la chicote, le numéro au hasard, c'est le 06 52. 73 54 35 06 52 73 54 35. Quand la chicote appelle avec le numéro aussi 06. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Moi ici on ne parle pas doucement. Et aussi là c'est le tchaba tchaba. Moi je vais pas parler doucement. Oui, c'est la suite. Bonsoir Tata Lolo, c'est le froid. Oui, bonsoir. En effet, je vais donner deux mots à cette colissimo. Mmh. Premièrement, celui dont elle appelle Marie, c'est pas une blague. C'était un prêtre dans un village pas très loin d'Ayos, donc un voisin de village en fait. Le prêtre de son histoire. Dans le prêtre d'un village qui est là-bas, mais chez elle là. Oui, dans un village pas loin d'Ayos, dans le village voisin. Mmh. Donc, il venait de prêter serment et toute la famille avait organisé. Donc, c'était comme le sauveur de la famille parce qu'il vient d'une famille très pauvre. Ouais. Alors, Colissimo arriva à Ayos tout en chaleur. Vous-même connaissez comment un chimpanzé peut être en chaleur. Mm-hmm. Et quand elle arrive, elle cherche des hommes, elle cherche. Elle va à l'église. Dans le village voisin et elle rencontre ce jeune homme parce que c'est son petit frère de 10 ans. Mais la fille a 47 ans. Marcoulissimo, là, elle a 47 ans. Bien sûr. Oui. C'est son petit frère de 10 ans. Mm-hmm. Quand elle prend donc le monsieur, bon, comme il venait à peine de prêter ses mandats, il était nouveau, il était encore faible de chair. Mm-hmm. C'est comme ça que elle le détourna. Mm-hmm. Et elle le viola. Hey. Le viola. Et quand elle finit de le violer, elle tombe enceinte de leur petit, le dernier né là. Mm-hmm. Et quand elle tombe enceinte, elle ose dire que elle ne peut pas supporter, elle aime tellement sa petite, ne veut pas assumer, elle affiche aux yeux de tout le monde. Hey. Donc tu connais que les prêtres ne doivent pas coucher avec les femmes. Donc il n'est pas pasteur. Non, il est prêtre. Oh, abomination. Mon Dieu, mon roi. Ça, c'est une sorcière. Oui. C'est alors là où, quand elle fait donc ça, la famille a peur. Tu connais un peu les regards du village, non? Les insultes, tout ce qui va avec. Mm-hmm. Et alors, la honte et tout, personne ne peut supporter.
Elle dit donc qu'elle va prendre le gars et l'amener en Europe. Hey. La famille, on n'a pas le choix parce qu'ils sont très pauvres. Très, quand elle dit pauvre, c'est la pauvreté extrême. Et alors, elle s'avance, elle revient, elle continue. Parce que quand on dit que Élise, c'est une pute, c'est pas une blague. Hein. C'est une pute de camion reconnue. Ce n'est pas. Mais elle fait le dire à le camion, non? Elle fait le dire à le camion, c'est devant nous tous. Voilà. Donc, quand elle vient, donc elle finit, elle vend un peu, elle vend parce qu'elle vend très moins chez tout. Elle retourne au pays. Elle vendait à combien? Elle vendait à combien, ma soeur? Elle vendait à combien? Elle vendait. Bon, il y avait les. Non, on dit, mais on conjugue maintenant le verbe elle vendait. Elle vendait à combien? Elle vendait à 15 euros. Il y avait les jours qu'elle augmentait à 20 euros. Donc, les jours que c'était un peu. Genre, elle avait ce client qui a été 7 euros. Mais c'est 15 euros qu'elle vend. Tout le monde sait ça. Donc, alors, quand elle entre, donc, elle fait les papiers du gars. Parce que le gars, même, il ne vient pas ligne directe. Elle paye sa route petit. Mm-hmm. C'est comme ça qu'elle paye, elle paye. Le gars arrive en Europe. Et il bosa. Il a bosa. Voilà. Il bosaya. Il arriva en Europe. Et quand il arrive donc en Europe, tellement, Polissimo avait déjà tout préparé. Il vient trouver un champ de patates et de piments et d'oignons que Polissimo avait commencé à sarcler. Polissimo le présenta. Parce que ton boulot. Mais, au passé, c'est surpris, il ne comprenait rien. Que voici ce que tu es venu faire. Donc, là, commence les cultivations. Et comme il était habitué, puisque c'est un villageois, quand il t'arrête là-haut, quand monsieur Polissimo t'arrête là-haut, mais tu as confiance, il est fichard. Souvent, il y avait même les jours où il déborde, même il part défricher chez les voisins tellement il était agité. Il a vu bien. Il commença donc à défricher. Il défriche partout, il fait ses charmes. Et après ça, Polissimo dit ça ne suffit pas. Tu vas garder les enfants dans la garderie. Vraiment. Parce que quand ils commencent à défricher, tu sais qu'il y a les saisons en Europe, non? La saison de la cultivation, quand ça finit, il faut mettre dans la garderie parce qu'il ne faut même pas te chercher l'argent pour ramener. Ouais. Tu sais qu'on ici, moi, 5 enfants et 5 filles. Vraiment. Cris de partout. Les enfants qui chient de partout, tout, ils se retrouvent dans une crèche. Ils commencent à regarder les enfants. Ils se fatiguent même, ils fugent. C'est ce qu'elle ne vous a pas dit, qu'ils fugent. Ils fugent. Ils fugent. Il a fugué quand. Et quand ils fugent, Noirata, Polissimo a tellement peur que les secrets sont dehors et tout. Elle le cherchait avec sa photo partout. Elle arrêtait sa photo, elle le cherchait un peu de partout. Ouais. Quand tu le retrouvais dans un bus abandonné, dans les anciens bus des villageois, là où ils vivent là en campagne. Il était là-bas, tout abandonné, il faisait même la manche. Elle le supplia que ça va, reviens. Elle le supplia. C'est la galerie, tu ne vas plus faire les chats. Il demanda, tu es sûr? Elle disait oui. C'est là où on transporta donc le monsieur. Jusqu'à présent, le gars se débrouillait pas mal, il faisait maintenant moins de boulot. Un jour, elle leva encore un autre fonds de commerce appelé fumage. Mais le gars dit, un autre boulot d'esclavage a commencé. Noara t'a dit, si tu ne veux pas, tu laisses. Puisqu'elle est très sorcière, elle a maintenant commencé à le prendre, à le tenir avec les papiers, parce qu'il est sans papiers. C'est comme ça que le monsieur, son travail maintenant le matin, c'est qu'il part dans les hôpitaux, il ramasse les vieux draps, les vieilles serviettes abandonnées,
les paires de chaussures rejetées, puisque vous savez ça qui font le feu. Vous savez ça qui font des grands feux. Parce que Colissimo, est-ce qu'elle peut acheter le quoi? Là, ils rentrent dedans, ils allument, ils déposent les poissons au-dessus, les pots au-dessus. Son travail, c'est quoi, Nero? Attiseur de feu, souffleur de feu. Et après ça, blocage sur Facebook. Blocage. Quand les gens parlent de mariage, Colissimo parle de mariage. Depuis votre existence, vous avez déjà vu un mariage avec 5 personnages de Facebook, amis virtuels sans famille. Dis-moi. Non, répondez, répondez. Non, reste fille avec. On répond. Nous répondons. Répondez en commentaire. 5 personnages de Facebook avec, je sais pas. Jusqu'à ce jour, je vois Colissimo coulant les larmes sur son mariage. Je me demandais. Tu coules les larmes parce que tu es à côté de ta soeur ou ton frère ou ta famille. Parce que je sais, c'est ça qu'on appelle nostalgie. Mmh. Mais quand je me tourna, elle coula les larmes devant la veuve joyeuse. Ma soeur, merci d'être venue. Mais je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu abandonnée? C'est là où je constate quand même qu'elle est ennemie avec toute sa famille. Mm-hmm. Donc son vampirisme que vous voyez sur Facebook, ce n'est qu'un échantillon. Mais Colissimo voyage dans la nuit. Mm-hmm. Je dis que ce n'est qu'un échantillon, c'est une grosse vampire. Sa soeur est en France, à 10 minutes de chez elle. Vraiment. Mais sa soeur ne connaît pas sa maison. Et on appelle ça comment? Sa propre soeur. Sa même père, même mère. Et c'est elle qui a fait venir ça. Donc, c'est elle qui avait composé un plan pour faire venir ça en Europe. Elle ne parle pas. Imaginez-vous. Et vous êtes là, vous suivez une bêtise comme ça. Négarée. Comme votre panier a dit qu'elle a construit. Elle a construit quoi? Vous-même, vous savez qu'au village, le terrain est gratuit. Nous, on est dans le village, le terrain est gratuit. Dans le village. Mais il n'y a pas d'extraordinaire. Le terrain est gratuit au village 1. De 2, même là où elle habite, mais tata Lolo, même si toi aujourd'hui là tu vas aller habiter en campagne, tu vas habiter. Oh non, non, maman parle de la qualité de campagne là, hein, maman, c'est trop loin. C'est... Quand je dis tu vas habiter, ça veut dire quoi? Ça veut si dire tout. Quand on dit même un blanc riche, mais tata Lolo, il ne résiste pas à ta beauté, attention. Oh, mais tu dors, ma fille, tu parles comme si tu blaguais, mais c'est vrai. Envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Vous êtes le style de l'Européen, vous êtes le style de l'Européen. Mais laissons un peu la jalousie des côtés. De la métropole. Qui a réussi à conquérir un vieux blanc avec les dents un peu arrachées de partout. Les dents pourries à la bouche, maman. Les dents d'attrait. Les dents d'attrait. Quand même la brosse à dents n'entrait pas dans sa bouche. La brosse à dents n'entra pas dans sa bouche. Les gens de dents là. Elle vient par là. Il t'amena dans sa brousse, tu faisais le sacrifice d'y rester. Parce que c'est un sacrifice, attention. Beaucoup de filles ont cette opportunité, mais refusent. Puisque je ne peux pas venir en Europe, je ne m'épanouis pas, attention. Vraiment. Tu faisais le sacrifice de rester. Et à cause de ce sacrifice, on ne respirera plus sur Facebook. Dis-moi que ce n'est pas condamnable par la loi. C'est condamnable par la loi. Aucun poisson brûlé sera vanda. Si tu as fait ton sacrifice, ça t'a fait mal. Tu as fait ton sacrifice, c'est le problème de qui? Ouais. On s'en fout. On s'en fout. Lui, il dit, mais là, on coule énormément. Tu peux décider même épouser un blanc de 80 ans. Il dit que tous les jours, il va chier dans ta bouche, il va faire ceci. Il va peut-être te laisser un petit pavillon. Si tu dis oui, ça va. Mais est-ce que demain, tu vas venir déranger les gens? Wanda. J'ai dit que, monsieur le juge, quelle est la sentence que vous donnez? C'est personne ne vendra le poisson pesé. Personne ne vendra. La sentence, c'est que, premièrement, puisque même dans la forêt, le singe est toujours suspendu à un arbre. Ce qui veut dire qu'elle sera isolée. Isolation totale. Parce qu'il y a isolation partielle et il y a isolation totale. Elle sera là-bas avec ses cheveux d'état. En l'air et tout, elle sera là-bas avec ses griffes et elle sera suspendue au fait, il n'y a rien à faire. Et personne, je dis bien personne n'a le droit
Puisque vous-même d'abord, si vous tentez d'aller manger les poissons là, ça ce n'est même pas un débat. C'est une prostituée reconnue. Et dans le camion, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas. On met les préservatifs, on pisse, on se nettoie dans le seau. Et sachez que quand elle ramène ce seau à la maison, c'est là où elle rince ça, ses oreilles de porc, et ses tilapia, et ses... Sachez-le. J'espère que vous savez. Donc, tant pis pour ceux qui vont le faire. Vraiment. Et vraiment, je vais dire un big up ce soir à la veuve joyeuse. Je suis désolée pour si ça va heurter certaines personnes. Non, non, ça m'aide pas. Je vous ai dit que la veuve joyeuse, même quand elle me suit, ça me dit plus rien. Moi, elle me fait rire. Il n'y a pas de point pour la veuve. Tu peux parler d'elle. Tu peux parler de qui tu veux. Et moi, je ne suis pas là dans les. Parce qu'elle est en train de dire l'heure juste. Elle montre sa poigne. Non, pour une fois, je respecte la veuve joyeuse. Pour une fois, elle a dit quelque chose de très pertinent. Hein. Quand tu vas dans. Ma frère, une fille qui est venue salir, insulter tout un peu, insulter les bambléquins, coller la tête des bambléquins, des bêtises, ou causer quoi avec elle. Enfin, elle veut quoi? Non, la veuve, elle est un homme succès. Hein? Non, bonigoire du caractère, mon frère. Non, bonigoire du caractère. Pour une fois, j'ai regardé son jeune avec un homme ici, il est dans le tchaka. Non, pour une fois, les filles qui ont un village, elle a la différence. La fille a tapé la main sur la poitrine, que merde. Même bonigoire, tu peux essayer de boue, elle laisse. Vraiment. Même gosse, là, tu peux se le passer, elle laisse. Donc, tu risques de m'appeler, elle vient te demander pardon. Tu es malade. Voilà, tu es folle. Tu es folle. Voilà. Tu es folle. Elle a montré ça. Merde, tu dis que même compression, tu peux insulter les bassins, elle te laisse. Même pour le gosse, tu peux insulter. Elle dit que je suis Paul Biaoha. Si vous voulez, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Est-ce qu'elle se cache? Mais les gens l'aiment comme ça. Justement. Elle s'est imposée. Maintenant, tu vas insulter les bambléquins, je réponds. Parce que le boulot d'or là qui est là-bas, c'est tout comme si elle veut remplir toute sa maison là. La doigt, ce gars-là. Elle est sur les bambliques, elle ne doit pas répondre parce que j'ai créé Bami Power. J'assume Bami Power jusqu'à ce n'est même plus bon. Voilà. C'est j'assume. Voilà. Je ne vais demander pardon à personne. N'allez pas me débattre pour moi. Que personne ne subit pour moi. Ce n'est pas une histoire de position. Voilà. Tu comprends le reste? Je n'ai pas pris position. Ce n'est pas la politique. C'est une affaire de ennemi. J'impose le respect pour le peuple bambliquais. Voilà. Je ne suis pas la politique. Je ne suis pas à la politique. Je suis et j'aime pas le respect pour tous les peuples au Cameroun. Respectons nos peuples. Et stoppons le tribalisme au Cameroun. Respectons le. Que les Bamlékés respectent les Bétis. Que les Bétis respectent les Bassa. Quand nous nous respectons, on reste ensemble. Faites la politique. Laissez la politique aux politiciens. Mais ne venez pas nous détruire comme Marie à Satan. La sale noirate, la Marconi, si vous avez voulu cogner les têtes des deux ennemis. C'est ça, je ne suis pas d'accord. Alors que tu me parles de quoi? Je défends, mais que je dois demander pardon. Mais t'es malade ou quoi? Mais ma chère, tu es normal. Reste conjugal ou le verbe conjugal. Reste conjugal ou le verbe conjugal, s'il vous plaît. Conjugal. Moi, je suis le Dolomania dans l'esprit. Voilà. Et dans l'âme. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas la preuve près. Nous, c'est l'heure juste. Puisque voilà. Polissimo, si on pose Polissimo debout comme ça. On n'a pas besoin d'aller loin. Elle seule, son incarnation, c'est une insulte. Merde. C'est un échantillon de femme. Merde. Je dis qu'on lui pose comme ça. Mais ça, ce sont les choses qu'on met souvent dans les arts, des parcours, nos pays d'art, des insanités, des guerres. Donc, en fait, elle représente tout ce qui est bizarre. Restez, j'ai dit à la Galaque, moi, je n'ai pas jamais laissé quand je reste, je suis dans le peuple pécan. Ni les bassins, ni les babes. Je ne connais pas les choses de la RSC. Mais c'est que le jour que j'ai vu le dire de la femme là que son corps remplit la mer. Elle a lavé les femmes. Mais c'est ma tête a disjoncté à l'intérieur. Et je m'a dit, c'est moi qui ai créé Bami pendant les réseaux sociaux. Ce n'est personne d'autre, c'est moi. Mais moi, j'ai chanté Bami pendant un autre concept. Quand je disais Bami pour, j'avais pensé même pas à Méo. C'est venu dans ma tête naturellement. Mes ancêtres ont parlé à moi. J'ai lancé Bami pour. C'est là où je me suis rappelé que Méo a chanté ça. C'est là où je me suis rappelé que Méo a chanté ça. C'est moi. Et j'assume. Tu viens insulter les Bambléquins demain. Mais là, c'est même, je me suis dit, vous savez quoi? Je le dis, même père et toi. Celui qui insulte les Bambléquins sur la toile, c'est le temps, il va l'insulter. Celui qui insulte les écans sur la table, la toile, tu vas insulter. Celui qui insulte les bassins, c'est le temps, il va venir insulter. Arrêtez d'insulter les tribus. Arrêtez d'insulter les tribus. Nous sommes des Camerounais. Une sorcière, une chienne. Elle est venue dire que je n'irai pas à Vision 4. Vision 4, c'est pour toi. Tu as déjà partagé même une vidéo de Vision 4. Même le journal de Vision 4. Le patriarche à Mougoubé Nga t'a envoyé. Il est venu contrôler sa télé. Il te connaît où? Elle fallait courir la télé chandelle ici avec son grand frère. Pour détruire un peuple, détruire toute une famille.
Un autre, on laisse se filmer. Avec le grand pêcheur, ici au Cameroun. Après, on va détruire la famille de Truy. Vous partez pas les photos, vous venez mettre sur Facebook. La honte. La sorcellerie, c'est vous. La sorcellerie, c'est vous. Ils ont voulu tuer Chata ici, c'est à cause de moi. Parce que Chata ici a dit que je ne veux pas le tribalisme. Saleté. Pourriture. Nous allons faire maintenant, s'il vous plaît, tous les Lolomania, nous allons écrire, nous tous, je suis. Tata, le nom de son mari. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, attends, ma chérie. Je vais vous dire quelque chose. Amen Kamel, là, non. J'ai eu affaire avec Amen Kamel. Et Amen Kamel, c'est que je l'avais déjà parlé par rapport au Bamileke. Amen Kamel, c'est un politicien. Il y a les gars Bamileke qui font la politique, lui qui peut répondre à Amen Kamel. Je suis la seule qui a mis Amen Kamel. J'ai même Amen Kamel si je suis la toile correctement bien. Amen Kamel, et moi, on s'entend. Mais là, il y a les gars Bamileke qui font la politique, qui peuvent répondre à Amen Kamel. C'est comme ça. J'ai répondu, vous m'envoyez tous les jours. C'est pas vous qui voulez me tuer, vous me faites Bamileke là. Ce n'est pas vous qui voulez me tuer avec ces gens-là aujourd'hui. Elle ne répond pas. Hein? Vous voulez me tuer pour envoyer chez Amen Kamel par rapport à quoi? Ce n'est pas vous qui voulez me tuer. Vous ne pouvez pas rester à les dire. Elle dit que moi j'ai créé, j'ai divisé, j'ai pris position. Donc, vous voyez, c'est Bamileke, doit laisser. Ce n'est pas vous qui allez dire que moi j'ai pris position. Position de quoi? Quand elle défend mon peuple, c'est une position. C'est une fierté, c'est mon honneur que je défends. Quand les lions indomptables jouent au stade, ils défendent le Cameroun pour l'honneur de leur pays. Je défends mon peuple pour l'honneur de mon peuple. C'est une injure. C'est pas une position. Je ne larnis pas l'amour. Je ne fais pas le dort des amis. Je suis engagé, j'ai ma petite soeur, même père, même mère. Le même ventre, elle est là. J'ai mon gars là, c'est le Ndjomba. Le Ndjomba, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné pour faire le Ndjomba en Europe. Vous me dépassez avec quoi? C'est pas avec le papier que vous avez signé là. Si on m'appelle l'affaire de mariage, je peux pas l'affaire de mariage avec vous. La seule chose que vous me dépassez, c'est parce que vous avez signé devant le maire. Devant un homme comme vous. Moi, j'ai signé pour la fidélité dans le cœur. Le vrai amour se passe à l'intérieur. Vous savez combien de quoi? Elles sont mariées avec les bagues handicapées. Tous les deux sont à la télé, j'attends les 20 euros dans les camions. Dessus les bagues, là, sans condom. Fallait qu'elles soient mariées. Vos maris, là, boivent les pètes de plein des autres hommes. Saleté ou pas là qui? On appelle ça mariage. Les mariages en carton. Hein? Les mariages en carton. Des imbéciles. Une fille qui vient de tuer tout un peuple. Voilà celle-là qui est là, qui a eu son corps cramé. Elle vient tous les jours, mais mets encore ma photo, mamie. Je suis prêt pour toi. Blanc la peur va se mettre sur toi, il va me mettre sur toi. On va jam sur Facebook. On va jam. Il va te voir que je suis. Quand tu as d'abord tué, tu m'as gagné les braquets à Yaoundé. Tu as tué ta propre sœur dans la maison. Il va te traiter. Tu sais que tu peux, non? Saleté, on a dit que Flair, ça, campé. Ce sont mes sœurs. Saleté. L'autre là est pardon. Pour l'autre là va venir un autre. Une femme qui met le gel. Elle a que le monde. Viens la calvétie. Le gel de 500. Mmh. Dans n'importe qui revient du Cameroun, la seule chose qu'elle demande, c'est le gel. J'ai dit qu'elle est restée. Si je vais rebeller, je dis qu'elle laisse les séquelles, est-ce qu'elle dit que tu ne vois pas qu'il y a les séquelles de Bami pour moi? C'est ce que je voulais, que les séquelles restent. Que le père respecte ses pauvres. C'était le but. Il y a les séquelles de Bami pour moi. Maman, c'est moi mon problème là-dedans. C'est quoi mon problème? Il y a casse qui essaie de tout faire. Attends, maman, attends, on prend. Reste. Attends, on prend casse la chicote. Parce que j'ai vu hier, il s'est un peu ressaisi. Mais mon cœur chauffe toujours du Cabindo. J'étais à l'œil. Le jour que tu glisses encore petit, tu prends du Cabindo. Reste à pompe, attends, pompe, casse la chicotte. Comme un petit chiot qui demande pardon, mais on te laisse d'abord. Merci. Donc, merci. Tous les Lolomania écrivant, je suis Augustin, parce que t'attends de écrivez, je suis Augustin. On va appeler pour Augustin. À Paris le 16 février. Écrivez, je suis Augustin. Le 16 février, vous venez avec les pancartes. J'ai imprimé ces photos. Il y a 52 photos ici d'Augustin que j'ai imprimées. On va couler ça un peu de partout. Donc écrivez déjà au-dessus le live, parce que le live va rester. Ça va rester là. Écrivez. Je suis Augustin, s'il vous plaît. Écrivez ça en masse. Parce que ce monsieur, quand même, au départ, il a quand même choisi Dieu. Et nous, enfants de Dieu, il nous touche. Ça nous touche. Ouais, la grâce, si tu as parlé, laisse-moi, tu as me fait dire un mal à la gorge. Écrivez, je suis Augustin.
Je suis Augustin. Je suis Augustin. Donc, merci beaucoup. Je suis très contente, vraiment, si on peut faire quelque chose pour Augustin, parce qu'aucun homme ne peut être dans le groupe. Aucun homme. Cette noirâtre est méchante. Je dis que même devant son mari, elle couche avec les hommes. Elle dit qu'elle est mariée. Elle dit qu'elle est mariée. C'est quel mariage c'est ça? Tu souilles ton mari, tu dors avec l'homme sur le lit marital. Franchement. C'est quel mariage c'est ça? Je suis marié. Le mari est dans la maison, tu vas encaisser les camions. Les autres, les camions. Il n'a même pas parole. Il n'a pas parole, c'est pas marié. Elle a fait un live. Je vais regarder le live là, je vais t'envoyer Tata Lolo. Elle était assise sur sa véranda et tout, avec un blanc. Et le blanc tout tripotait ses seins, la plus parlait, je t'aime, on fait comment. Elle avait même honte. Elle dit, hey, tais-toi, hein. Tais-toi, hein. Augustin, là. Ouais, je suis Augustin, je suis Augustin. Et c'est comme ça, subitement, son mari est arrivé. Ça, je vous jure, hein. Ouais. Son mari est arrivé avec le dernier avec le maillot des lions. Son mari est arrivé avec le dernier, parmi ils étaient fait sport. Elle dit à son mari, qu'est-ce que tu veux montrer, hein? Accoupis-toi là-bas, tu passes par derrière. Je dis que j'ai seulement vu Augustin comme ça, se plier, porter son dernier fils, en, donc caché dans... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et elle est restée avec le monsieur, et à un moment, le monsieur, en voulant couper le direct, elle disait qu'elle part rendre visite au monsieur chez lui parce qu'ils sont voisins. Est-ce que c'était vraiment une visite? C'est Augustin, le pauvre Augustin. Nourriture. Élise, c'est une pourriture. N'appelle pas son père, ça fait ma polissimo, ma polissimo. On n'a pas la pure, on n'a pas peur, je n'ai pas la pure. C'est une pourriture. Personne n'ignore polissimo. Mais on va libérer Augustin. On va libérer Augustin. Laisse alors podcast de la chicole. Quand la chicole va venir nous raconter l'histoire de doigtage, on peut pas finir ça sans parler d'affaire de doigtage. On ne peut pas finir. Merci beaucoup, Tata Lolo. Oh, merci pour ce que tu veux. Tu as fini avec nous ce soir. Merci, big up. Merci pour le prof de français. Merci, le prof de français. Et tu finissais avec nous. Et tu finissais avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je t'ai fait les gros bizarres. Les gros bizarres. Non, la fille, c'est trop fort. Attends, peut-être, voici, casse la chicotte ici. On va appeler. Elle finissait avec nous. Libérer Colissimo. Appelez. Quand mes enfants disent, avant ils appellent, le leur fanja, le leur pipi. Regarde-moi une sale chose qui m'appelle Babléke, qui m'appelle le pipi. Tu t'es regardé. Né au fin fond du, je sais pas moi, la brousse. Elle n'est pas née en Gomédia, parce que Gomédia est en ville. Elle est née où alors? Gomédia, c'est pas la brousse, hein. C'est vrai. Non, hé, Gomédia, c'est pas la brousse. Gomédia, c'est un très beau village. Confie à Fréquentin en Gomédia, à l'éternel de Gomédia. Confie à ta l'éternel. Ça fait longtemps, hein. Bien sûr. Ouais, ouais, le numéro de casse la chicotte. Je suis riche. Maman, coupez-vous des riches, laissez les pauvres tranquilles. Les vrais riches parlent. Je suis riche, une riche qui boit le poisson. Les riches parlent. Hein? Ouais, ou alors le numéro de casse la chicotte. Donnez-moi un peu le numéro de casse la chicotte là, maman. Elle est dans le direct ici. Elle est là. Oui, elle est là. Ouais. En tout cas, c'est à me dire, on a encore le direct de Manouarat. On va appeler l'abbé Samé, il va finir avec toi. Abonnez-vous là, chez l'abbé Samé. L'abbé Samé va finir avec la marque Colissimo là. C'est comme ça. Voilà. Et pas autrement. Oh. Regardez-moi une déchet comme ça. Je suis Augustin. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, René. Bonsoir. Comment tu vas? Je suis en direct. Tu es déjà en direct. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Moi, je m'appelle Ah, donc tu t'appelles René Star de Lille. Oui, bonsoir, ma. Bonsoir, la beauté. Mm-hmm. Oui, ma Chabon est où? Ma Chabon, elle est en train de suivre le direct. Elle est là, elle est en train de suivre le direct par Pasto. Appelez-moi ma Chabon. Ma Chabon est où? Elle est là. Oui, ma Chabon. Élise Miyendi, le chambre de l'hôpital. Oh, tchape, tchape. Oh, tchape, tchape. Oh, tchape, tchape. Cherche quoi dans la chambre de Père Augustin. Oh, tchape, tchape. Mm-hmm. Mamie Chabon, c'est ton nom. Mm-hmm. C'est ton nom. Ouvre encore ta sale bouche de merde là. Elle parle de toi, hein. Elle parle de toi, elle est jalouse de toi. Tu ouvres encore ta
autre chose, mm-hmm. avec ton gros caleçon. Mon mm-hmm. frère, donc quand tu te filmais dans la baignoire, là, tu croyais que tu étais trop belle. Maman. Tu voulais te mesurer à qui, ma charbon. Avec son gros caleçon. Elle fait le job à la avec le caleçon. Il dit qu'il fait le job à la avec le caleçon. Gros caleçon. Le job à la avec le caleçon à la piscine. Tu as porté le gros caleçon jusqu'à ça arriver au niveau du ventre. Maman. À la plage, on porte les tailles basses. Maman. Elle dit que le leur fond déjà si belle, elle voulait voir mes cuisses. Maman, elle veut pas te doiter. Regardez, maman. Regardez la grâce des rêves, Ndiaye. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi, maman. Regardez-moi. J'étais à l'école. Hein. Regardez-moi. Le style, la classe. Oh, tata Lolo. Elle pas à l'école parfumée. C'est pas à l'école parfumée. Même mon professeur me dit que. Mais non, tu. Dans le charbon, ma charbon. Oh, chapa. Le capot, c'est sur quoi? Dans le tiroir d'origine. Dans la maison des belles femmes. Oh, tchap. Regarde-moi. Maman, quand il arrive à l'école, même mon professeur, que me suis jusqu'à parfum, le style et le glamour. La jalousie de ça. Ma gros soutien. Mm-hmm. Attends, le coup de René Stan, il a dit que quoi? Egmat. Appelez-moi la baisse à main. Appelez-moi la baisse à main. Il va me finir la. Appelez-nous la baisse à main. Il y a elle. Elle a travaillé de la Suisse là. Il y a elle avec la saleté de la Suisse là. Avec sa greffe comme la greffe des cadavres. Celle qui est en Suisse là. La bouche comme l'autoroute de Douala Bangaté. Le numéro est la machine, le numéro est pingué Melvin. Le numéro c'est le 0752-73-53. 06. Ouais, René Stade. La prochaine fois que tu vas encore ouvrir ta bouche comme le gouglon de Douala Yaoundé sur Lolo, tu vas confirmer le code. Ce n'est que le début. J'ai dit à la veuve joyeuse, Bolingo se connaît depuis le Gouamouroun. Ne te mélange pas avec la saleté là, tu as donné l'honneur, tu veux dire son mariage. Tu as donné l'honneur. La seule fille qui te connaît là, en fait, vous là, les blogueuses de la toile là, c'est moi qui peux parler de toi à ces blogueuses là. Parce que tu es vide dans tes beaux jours. Quand tu avais le sinac à Douala, oui, Bolingo avait le sinac à Douala, vrai yo, c'est pas le mensonge. Elle avait le signal, le bali, les yeux. La classe, c'est pas le mensonge, la classe, c'était pour elle. Tu comprends, non? Bon, il voulait te mélanger, elle vendait la caisse de cigarettes. Est-ce que mélange, les gens ne te la veuve joyeuse, elle vendait la caisse de cigarettes en face de Nice Pot. Elle vendait la caisse de cigarettes en face devant ton snack. Avec le bitaco, là. Devant ton snack, avec le bitaco, là. Ouais! Bolingo, quand tu passais à tes pères, René Sali, quand tu étais patronne de la Mistral, quand tu entrais dans ton snack, c'est elle qui avait la caisse de cigarettes là-bas, trois paquets de caisses avec le bitacola. Tu causes quoi avec elle? Tu causes quoi avec elle? Avec le bitacola. Avec le bitacola. Non, tu parles quoi avec elle? Facebook mélange. Et c'est elle qui venait parler mal de Bolingo. Attends un peu, René. C'est elle qui était la première à venir parler mal de la veuve joyeuse ici. C'est le premier qui a fait la Facebook. Assoyez la cigarette ici. Le blanc, je vais prendre la cigarette. Courant devant derrière les blancs qui attendent les boîtes de nuit. Elle veut s'asseoir maintenant, comme elle est venue en Europe, oui. Par internet. Avec ses phares. Avec ses phares, joue. Bon, regarde le rouge, elle est pour toi. Hein. Elle arrive au niveau de la veuve. Elle peut atteindre la veuve. Elle ne peut pas. Elle peut atteindre la veuve. La veuve est à chasser, même le pardon ne prend pas. Elle peut atteindre le carreau de la veuve. Elle peut entrer dans les 78, la chose là pouvait entrer. Tu arrives avec ta part de Dieu, elle se met. Elle veut compter à copine. Si elle a la cigarette, si elle est bonbon à coliser. Bonbon à coliser, venez acheter les cigarettes. Incroyable.
Quand tu veux qu'elle était petite, c'est la souffrance qui fait qu'elle restait là. Ouvre encore ta sale bouche sur moi. Elle me dit petite matérielle. Tu crois que maman, pourquoi t'en sucer la chatte? Elle ne peut même pas te sucer la chatte. Maman n'appelle pas le nom de celle-là. Si elle est fine comme ça, elle est là-bas, dis donc. Si elle est super, elle est fine. Elle a peur d'avoir pour toi. Appelle même, elle dit que tu as parlé son nom. Laisse ton nom là-bas, elle ne peut pas avoir le problème. Parce qu'elle ne comprend pas qu'il faut dire, elle dit qu'elle même dans l'hypocrisie, hein. René, attends, même dans l'hypocrisie, hein, on ne fait pas la qualité là. Même dans l'hypocrisie, même dans aide-moi à détester. La façon que la fille a sali, mais elle a insulté les écarlots toujours, laver les écarlots, laver les bambinés jusqu'à mon frère. C'est le elle n'a pas pitié de toi. Hein. Oui. Tu vends ton poisson là. J'ai dit que tu boycottes de ce poisson brisé. Boycott de ce poisson brûlé, brûlé, boycott. Moi, je vais commencer à voir le poisson. Elle me dit que elle prend le numéro de téléphone. Elle met avec ses petites bordelles de camions de tir. J'ai dit qu'elle est une saleté. Zani. De comme Amougou. Zani. De comme Amougou. Zani. On va te traiter. Tu l'appelles son nom ici pourquoi? Donc tu croyais que les hommes là pouvaient te prendre chez lui? Donc tu rêvais qu'il allait t'amener, il allait aussi t'appeler? L'autre a dit qu'elle est pas sur les hommes là, on attend. Hein. Oui, de comment Mouzani, regarde-moi ça. Tu oses ouvrir ta bouche sur les. Tu ouvres ta bouche sur les dignes femmes. Tu ouvres ta bouche sur un casse la chicotte, tu veux un casse la chicotte toi? Maman, je wanda. Un casse la chicotte, l'aide de femme, avec ton gros cul, ton gros caleçon. Hein? Tu vas te placer chez notre soeur Bamleke. Donc tu crois que notre soeur Bamleke va sucer ton tonton? Elle ne va pas sucer ton tonton. Tu te trompes. Ton tonton n'est pas suçable, ma chérie. Va chercher ailleurs. Elle va se. Le numéro ne passe pas. On dit que le numéro ne passe pas. Oui, il n'y a pas mon numéro là. Mais c'est ça, ça qui s'est épinglé. Elle dit que ça ne passe pas. J'épingle. Mais elle dit que ça ne passe pas. Comment ça ne passe pas? Oui, le numéro de téléphone, il veut le numéro de téléphone, c'est pas. Après moi, c'est mon numéro là. Non. Non, tu as mon numéro là, Stéphane. Elle ne va pas sucer ça. Attends, elle met le numéro. Elle te dit qu'elle. Regarde ce qu'elle a fait hier. Oui, ma faute, donc je suis déjà abeille. Regarde-moi une villageoise comme ça. Franchement, le ridicule. Ouais, le numéro de téléphone, c'est quoi, les mamans? Va dans les contacts, tu regardes mon numéro, ça va, mais va dans mes contacts. Les abeilles ont dit qu'ils ne te veulent pas. Moi j'ai les infos. On a dit qu'on ne te veut pas là-bas. On a dit qu'on ne te veut pas en face. Tu vas rester seule. Elle sera chassée dans toutes les maisons. C'est pas un bip, moi, pas le Molika, mon bip que tu as là-bas. Les Nolomania, elle sera chassée dans toutes les maisons. Elle sera chassée. Chez ah non, là-bas, elle peut plus partir. Maman, malais, oh là là. Maman, là-bas, alors, hein. Oh là là, là 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 là, c'est mort. C'est mort. Tu as fait l'erreur. C'est mort. Là-bas, c'est mort. C'est mort. Voilà, voilà le numéro. C'est le numéro, là, donne la rêve. Là-bas, c'est mort. Là-bas, c'est mort. Ne teste même pas. Je t'ai dit que là-bas, tu allais attaquer. Là, maman, c'est là-bas, alors, hein. Maman, oublie. Là-bas, il faut être les Vietnamiens pour supporter les injures des gens là. 66. La tête là. Le pain. Ah, tu es mort d'angue. Ça vient tout seul, ma chérie. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit que calme-toi. Je t'avais dit que calme-toi. Toi, voilà qui est au centre de tout le monde maintenant. Regarde. Tu es chiffonné partout. Tu es allé même là où. Ça veut dire que tu pensais que quand tu vas arriver là-bas, on va te prendre comme une déesse. On t'a posé là-bas comme un chiffon. C'est où tu es un esclave. Tu es une esclave. Et ton tonton, personne ne va sucer ça là-bas parce que ton tonton n'est pas sucé.
Ma charbon. Ma charbon, on ne suce pas les tonnes de charbonita. Mamie charbon. Mais Elise Milindi. Et qui a le mon oeil, je ne vois pas. Mais jusqu'à elle donne les ordres que Lolo machin. Donc, ça veut dire qu'on doit écouter ce que tu dis, tu es qui? Ouais, demain va encore bouffer. Demain bouffe encore notre Ndjangui. Toute la semaine, tu vas bouffer. Tu vas bouffer. On ne veut pas les aider, moi, de tester le tout-ci. Tu vas encore bouffer. Voilà. Non, il n'y a pas de aide-moi de tester le tout-ci. Tu vas bouffer ça partout. Partout. Je vais même aller commenter chez Bolingo. Quand tu te laves et pas commenter là-bas. Je commente partout pour toi là. Tu es venu de toi, on va te chasser au Cameroun. On ne veut pas, on ne la veut pas. Ah bon? Mon ami, c'est... Donc tu as connu, c'est pas la lumière, mais... Mais un gars qui... Mais Lolo, tu parles... Lolo, je te dis bien que... Elle avait la caisse de cigarettes. Elle avait la caisse de cigarettes en face du Saint-Père. Elle avait la caisse de cigarettes et des bonbons alcoolisés en face du Saint-Père. C'est là-bas qu'elle avait son petit. Elle avait à l'époque le caleçon. Elle s'assied avec le caleçon pour vendre la cigarette. Comment? On ne gère pas ça. On connaît Bolingo. Merci Bolingo. Viens me lave. Mais on a dit que toi au moins, tu as une la personnalité. On s'en fout. Merci Bolingo. Tu me laves jusqu'à demain. Le tout, tu as au moins dit la personnalité. Mais demain, va bouffer le Ndjangui. Ma reine, le coup, on va prendre quelqu'un en ligne. Allô? Allô, Tata Lolo. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. J'ai mis le volume pour mon mari là-bas au salon. Je dis que je vais laver noir à ta maman et la maman. Lave non, maman, lave seulement. La me saute partout. Maman, libère-nous pas, pasteur. C'est comment? Et quand moi, une pourriture comme ça, une moins que rien, zéro, zéro. Mon frère, tu ressembles même à quoi? Hein? Et quand moi, une poubelle comme ça, là, tu vaux tata Lolo. Hein? Tu vaux tata Lolo. Une belle femme debout. Ça me comme. Je bloque tout ce qui vient dire que t'es là en direct. Là. Bloque le yo. Mathieu, il parle, non, ma parle. Hé, hey, maman. Allô? Oui, Mathieu, on t'écoute, ma. Oui, j'ai dit que toi seul, tu terrasses tout. Oui, elle a lancé un direct là-bas. Au lieu de te laver, elle a dit de laver compresseur. Rien n'a foutre. Maman, on ne veut pas connaître ça. Tu sais quoi, ce que je n'aime pas. On ne veut pas connaître ça. Elle est non-name. Ça se passe ici. Elle peut laver compresseur. Elle dit quoi, les compresseurs? On n'a pas encore dit. Donc, ça, c'est les fautes du Même, ouais. Tout ce que l'on dit. J'ai dit que, maman, celle-là, non. Le jour où la baisse, ça me lance, je dirais, je suis détendue. Maman, on va mettre le litige pour la baisse, ça me La baisse, maman, on va faire le litige pour toi. On va cette femme-là, on va la Invalide. Je dis que mon numéro d'enregistré se va partout là, je passe là où là souvent la main fumée là. On va finir avec elle. Comme ça, tu es une poubelle. Tu n'as pas honte. Tu te places en direct, tu gagnes le piment, mon frère. Respecte-toi. Hein. Quand on sous le machine qui se dit soit homme à la maison, maman, c'est quoi ça? C'est un manque de respect ça. Noirata, je dis que tu vas lire avec ton maquillage des cadavres là. Une sale chose, maman. Et comme moi, comme ça, une pourriture. Lolo, tu vois Lolo. Elle me vaut. Hein? Tu vois Lolo. Regarde, dis que maman, c'est ta beauté là qui terrasse moi les moutons là en face là. Tu vois, non? Quand elle a dit de faire le sale boulot de, de l'autre, mais c'est pas grave. On ne gère pas ça, maman. Moi, je suis pas aide-moi. J'ai dit qu'elle a défendu mon peuple. Merci, restez. Il dit qu'on va la traiter. On libère Augustin. On libère. Augustin sera libéré. On va appeler la préfecture. Oui, 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 Augustin, Augustin était battu, oh, Augustin libéra Augustin, oh, maman, oh, Augustin est parti, oh, papa Augustin, il était parti en France, il avait dit qu'il vendait, il n'est pas revenu, il partira, oh, Augustin, il est devenu le fumage de poisson Augustin, oh, Augustin est devenu Augustin, oh. Oh, appelez-moi Augusta. Oh, ouais, Augusta. Oh, ma police, moi, appelez papi Augusta. Il a mené la maison. Elle est mal à votre, elle m'a vendu. Elle est bien à la maison.
Attends, reste un peu le nom d'Augustin. Oh, Augustin. Oh. Augustin partira en face. Il dit qu'il revenait. Il ne revient pas. Oh, Augustin. Oh. J'ai pleuré, Augustin. Augustin n'est jamais revenu. Oh, Augustin. Oh, Augustin. Oh, la prêtre est partie. Elle est devenue la prêtresse. Oh, prêtre. Oh, pas prêtre. Elle est venue laver les mamies. Oh, Augustin. Oh, Augustin. Ouais, mon enfant Augustin, le prêtre qui priait pour moi. Oh, pas Augustin. Oh, prêtre Augustin, padre. Oh, padre Augustin est parti. Oh, padre, padre. Padre Augustin, tout le village te pleure. Oh, padre Augustin. Tout le village te pleure, padre Augustin. Oh, padre Augustin. Tu as prié pour moi, ouais la vie. Oh, papa Augustin. Oh, 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 papa Augustin. Oh, tu sais quoi là-bas? Oh, On a pleuré le dé. On a pleuré le dé. Voici la Bible des prêtres. Voici la Bible que papa Augustin m'avait laissée en partant en Europe. Oh, ma part de Bible. Qui va prier pour moi, papa Augustin? Tu as mis, tu as célébré, tu n'as pas de messe dans son cul pour aller vendre le ton. Ya, papa, Augustin, ya, papa, ya. Maman, on a fini de pleurer le dé, on parle de personne, non. Maman, bisous. Ouais, le dé d'Augustin, allô? Bonsoir, ma chérie. Tu veux pleurer aussi? Non, je suis en train. Je dis que tu es une folle. Ouais, maman, c'est comment? Ça va, tata, je le vois, je me
déplace la voix et quitte le salon. Voilà, je suis dans la chambre. T'as le lot. Oui. Vraiment, je te dis que il fallait vraiment que tu répondes à cette fille. Je ne sais pas si quand elle vient sur Internet, elle vient pour toi. Maman, on n'est pas dans le débat, on est là pour la laver parce qu'elle elle ne lave pas, c'est maman. Elle ne sera jamais star. Ouais, elle ne sera jamais, maman, elle sera jamais. Elle ne sera jamais star. Tu t'en rends compte qu'une femme qui passe chercher un padre, quand j'entendais même que son mari était un homme de Dieu, je pensais que c'était vraiment un homme, un prêtre. C'est un prêtre. Parce que même encore ça passe, un prêtre, c'est grave. Et le comble, c'est que. Mais il faut que le prêtre là soit libéré, hein. Ma, on veut pleurer le deuil. Non, on veut pleurer le deuil. Restez, on veut le deuil. On veut pleurer. C'est le deuil d'Augustin. Moi, je vais couper le deuil bientôt, maman. C'est le deuil d'Augustin. Okay. Moi, je vais dormir. Bonjour, ouais, ma chérie. Je vais pleurer. Alors, le deuil d'Augustin, pour qu'il soit libéré. Parce qu'il faut vraiment qu'Augustin soit libéré. Maman, il sera libéré. Voilà la Bible que Augustin avait laissée. Tata Lolo, je te dis, je vais finir par là. Cette fumeuse, elle va perdre son mari comme elle est entrée dans la. Non, elle va perdre son mari, elle va perdre le type là comme elle est entrée dans la. Elle va perdre le type là, il va partir, mari. Oh, moi, mais je vais m'occuper de ça. Maman, elle va perdre le prêtre là. Ouais. Attends, ça me connaît. Mathieu, attends, il y a quelqu'un qui appelle, maman. Attends, on prend la personne. Reprenez la pleure. Laissez-moi la faire, vous dites qu'on m'insulte, c'est ça, je m'en fous, dis-le, vous ne connaissez pas ça. Est-ce que j'ai dit que je ne gère plus ces injures? J'ai dit que plus il faut la faire quelque chose de bien, point barre. Les vrais clashs sont finis. Elle raconte quoi, tu vas m'énerver. On s'en fout. Eh, dis donc. Tu regardes toujours où on l'attend, parce que là-bas qu'elle part. Allô? Elle insulte, on s'en fout. Bonsoir. C'est le père Augustin, vous venez me libérer. Oh, Augustin, libéré. C'est la messe. Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est le père Augustin, venez me libérer. Tu es où? Tu es de quel côté? Tu es de Manouara. On vient casser la porte là. On casse. Je vais donner le coup de poing sur la corde là. Libère-moi, Augustin. Elle aura ça. By force. Manouara. Man Tinda. Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est elle. La fille là. Elle veut séparer les Camerounais. Elle ne va pas vendre le poisson brûlé. Elle a manqué aussi sa ma star, ma chantou. Elle a mis la sortie de la chantou. Voilà le. Comment elle dit? Elle dit qu'elle hypercute là, c'était ça, c'était pas la bagarre. C'était l'hypercute. Elle ne vient pas pour les classes. Elle aime tous les Camerounais. C'est la star de l'heure. Oui. Elle veut séparer les Camerounais, alors on va la rendre célèbre. On va la rendre célèbre, Manouarat et Makolissimo libère. Vous venez pas pleurer, pleure un peu, non? La baisse à Bédé, elle dit qu'elle nous. Tu vas t'occuper de Manouarat. La femme. Après, vous pleurez, Augustin, non, vous ne pleurez pas. Hein. Vous me dites que Bolingo. Bolingo, c'est qui, dis donc? Bolingo, vous me dites que matin, mais est-ce que je la gère? Je la gère pas. Elle dit que tu es Bolingo. Voilà, attends, il y a des gens qui appellent. Allô? Mm-hmm. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ah, oui, ça va et vous? Est-ce ça va très deuil? Bien. C'est le deuil de ma. Deuil. Hein? C'est le deuil d'Augustin. Non. Augustin. Hey, Anti. Augustin, depuis que tu es parti.
Mais y'a ma qui me dit. Venez me sauver, sauvez-moi. Aïe Seigneur. Je suis fatigué, tu fumes pas. Venez me sauver. Partout, c'est le dernier d'Augustin. Oh, je cherche Augustin, moi.
Oh, Augustin. Augustin était parti à la maison. Augustin est où? Oh, je cherche Augustin. Avec la torche. Oh, Augustin. Oh, oh, qui va en faire écarter pour moi? Oh, oh. Ouais. Ouais. Ouais, la pleureuse. Ouais, c'est la pleureuse, pas une autre personne, ouais, non, la pleureuse. C'est une bonne pleureuse. Ouais. Non, pardon, mais. Hey. Ah, il est à train. Allô, bonsoir. Ouais. Je pars dans quelques villages, je pars, je vais dormir. Bisous. Allô? Allô, bonsoir, c'est Tata Lolo TV. Oui, c'est Tata Lolo, maman. C'est Tata Lolo Japap. Ce n'est pas TV, c'est le Japap. Ok, Tata Lolo Japap. Je suis là, direct, et j'apprends la mort d'Augustine. C'est la mort d'Augustine. Non, il n'est pas mort, il est en détresse. Tu étais où? Tu étais où? Non, je suis allé, il est recherché. Il est recherché. Oh, mais là, me pleure. Mais là, me pleure. Oh, c'était mon patron. Il priait pour moi ici tous les jours. Vous êtes grave. Il est recherché. Tout le village le recherche. Il a laissé faire mon village en partant avec 6 enfants. Augustin, ouais, mais il s'est cassé au village. Ouais. Ouais, le confinement de ça. Ouais, reste. Il a été. Qu'est-ce qui se passe? Marcel, que tu as Augustin est recherché. Augustin, mais non, vous dépasse, bonsoir. Bye. Non, maman, il a tout ri. Pour aller me couper, maman, j'ai mal à la gorge, pardon. Hein? Je vais continuer, non. Ouais, ouais. On est tu as fini le pleurer, Auguste. On va prendre une autre personne, pardon. Il n'est plus jamais revenu depuis. Attends, prends une autre personne. Je l'ai zombie. C'est les paroles, on vous
Ouais, maman, maman laisse comme ça avec les pleurs. Non, tu pleures beaucoup. Attends, pas une des personnes. Qui t'a dit, viens. Merci, chérie. Allô? Allô? Allô, tata Lolo, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma chérie, comment tu vas? Bien, c'est pour pleurer. J'ai pleuré, Augustine. Oui, pleure, pleure, Augustine. Facebook. Ah. Ouais. Ouais, bah, je suis trop mort de rire. On va continuer le délire, Christine. Pardon, moi, je fais information. Je travaille, je suis pas libre. Je bouge ouais, en c'est attends. Allô? Allô? Ouais. Bonsoir, ma chérie. Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Oui, bonsoir. Moi, je suis là au deuil de Baba Augusto. Oui, pleure, pleure. Eh, pardon, il va arrêter. Pardon, je n'ai pas appelé la paix. J'ai essayé d'avoir un arrêt cardiaque, s'il vous plaît. Ouais, mes amis, je vous dis qu'on continue ça, mais vous allez trop pleurer. Parce que moi, il faut que je dois dormir au plus tard. Mais je dois dormir. Par exemple, je vais à 6h30, pardon. Maman, mets le son là, maman. On va finir avec la grande diva. Macha. Ma chérie, toi, ma colissimo, je suis que sur toi. Tu as vu que j'ai peur de toi. Mais quand tu parles, je ne laisse, je crois que j'ai peur de toi. Là, je suis même parce que je suis à. Je te prends. Attends, je vais prendre la reine de l'Olomania, elle veut pleurer. Elle a appelé. Elle t'a appelé même déjà. Allô? Allô? Maman, il y a le numéro pour appeler là-bas. Il y a le numéro pour appeler. Tu appelles sur mon téléphone comment? Laissez-moi la faire. Vous dites que Bolingo. Je suis dit que ça va dire avec qui dit donc. Allô? Ah. Allô? Oui, bonsoir, la reine de l'Olomania. Bonsoir. Tu veux pleurer? Non, je pleure pas. Je parle. Je prie en italien. Je veux me délivrer. Ma prie. Prie. Prends la Bible. Buonasera a tutti. Merci Giado. Il mondo. Amen. Devo aiutare Augustino. Amen. Da Calis di Colissimo. Amen. Aiutare. Devi venire per favore. Amen. Aiutare la signora Colissimo. La sua quella ragazzo. Amen. 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 Voilà. Colissimo, libère le jeune gars. C'est pas ton enfant, c'est ton enfant, c'est ton petit frère. Amen. Pour le libérer, c'est un bébé. Amen. Yeah. Eh, hey, Dieu, pardon. Ouais. Pardon. Amen. Alléluia. Amen. Mamie, quand tu parles du clash, hein? C'est-à-dire que samedi, je reviens encore sur toi. Samedi, ça sera le grand frère. Parce que tu vois, en semaine, je suis occupé toute la journée. Donc, je rentre fatigué. Samedi, je vais te laver. Bon, je ne t'ai pas insulté. Samedi, je vais te laver. Comment dit quand on dit que je m'assois comme ça, là, je prends la caméra. Je vais t'insulter comme un poisson pourri. Comme les poissons que tu vends là. Attends, tu vas voir. Ouais, pardon, laisse-moi aller. Allô? Oui, je suis revenu. Arrête de pleurer. Augustin, tu es en prison. Ouais. Ouais,
Ouais, qu'est-ce que tout Bellingham, on a toujours pleuré, Augustin n'appelait plus, pardon. Maïna là-bas, Augustin, oh, l'eau vous dépasse. Dieu sait, voilà, c'est la fumée de les poissons brûlés. Maman, ça me dit, quand elle m'assoit sur toi, hein, c'est le plus de la fin que tu as indivisé les Camerounais, sera toi et moi, face to face. Je vais te laver, maman. Moi, ne me gagne pas. Hein. Quand on me classe sur la toile, je n'ai pas envie de lécher. Laisser. Quand je suis occupé, hein, c'est toi et moi. Je vais te traumatiser sur Facebook. Tu as compris quoi? Tu ne fais pas. Je n'ai pas l'habitude de se faire comme ça pour appeler parce que je n'ai pas trop l'inspiration. C'est que moi-même, je vais m'occuper de toi personnellement. Mm-hmm. Et je vais te dire que, hein, Bami Power, j'assume de moi après demain. Je suis Camerounaise Power. Mais tu manques de respect à un peuple. Que le peuple n'a rien fait. Que je sois babelé, que je sois babelé, je vais te défendre. C'est que tu as voulu amener la communauté camerounaise là. Tu n'es pas né. Au lieu, tu as vu que nous sommes les peuples de personnes civilisées. Nous sommes ensemble, non tribalistes. Toutes les tribus appelées, toutes les tribus qui appellent dans cette direction pour dire que le Cameroun est uni. Voilà. Des chiennes comme toi, des chiennes de Samania. Tu ne seras jamais star. Tu es la seule star noirâtre sur Facebook. Tu vas demeurer comme ça dans l'ombre, dans le noir, dans les fumées. Tu n'es rien. Une sale bordel. Femme qui vend son cul à 15 euros. Tu vas consommer demi-ville. Une petite maison à Carabo, Cameroun, tu diras les gens. Les vraies filles du camion, les châteaux, Cameroun, idiotes. Cameroun, une bêtise. Qui part ramasser un homme comme un colis. Tu veux la mettre en France. Tu me parles que tu as les enfants. Et puis ça me sert à quoi? Les enfants, ils n'ont pas l'éducation de même père. Tu me parles de quoi? Les enfants. Qu'est-ce qu'on a foutu? Tu dis que j'ai insulté les mères des gens. Tu as insulté ta mère. Je t'ai insulté un jour. Soit elle dirait où je t'ai insulté. Je t'ai jamais insulté. Tu t'attaques à moi pour rien. Pour tu, chienne. Regarde, je te dis que tu veux quoi? Tu me sais à quoi? Tu me gênes avec quoi dans ma vie? Regarde-toi. Regarde à quoi tu ressembles. Quand tu parles de l'eau, je parle de l'eau faute. Moi, je parle ma voix d'Africaine. Je n'ai pas besoin de parler comme une blanche pour séduire les gens. Je suis black. Reste dans ton taudis, ta meilleure de temps. Au cas de la deuxième guerre mondiale, ton maillard, ton camionneur de poux a eu comme héritage. Ce n'est pas une maison en Europe. J'ai loué la Côte d'Azur, j'ai eu les blancs qui peuvent prendre les maisons en bordure de mer, je l'ai refusé. Tu as compris quoi? Je ne suis pas une complexée, sale idiote. Elle ressemble à quoi? Pour venir parler aux gens. On dit que c'est, quand je vois les caca de chèvres, je me suis dépassé. Tu es quoi? Tu es qui? Une diviseuse. Et le doit demander pardon, j'assume. Il n'y aura jamais de pardon. Alors tu peux, je te la mets dans le cul, tu as compris quoi? Saleté. Tu sais, la même tes fesses. Il fait qu'il pue la merde là. Tu étais capable une vraie fille. Tu allais prendre le feu. Tu allais quand vous prendre le feu comme ça. Hein? Tu dois avoir ton homme ici. Ici en Europe. Tu allais ramasser l'enfant de tu pour la prison dans une maison où il est devenu le baby sister. Ça crie de partout. Il pleure quand il se cache. Il pleure le soir quand il est seul. Vraiment. Il pleure son soir, il est malheureux. Il est ridé avant son âge. Il a vieilli avant son âge. Ouais. Parce qu'il est malheureux. Il est malheureux. Ouais. Il attend les chaos. Il dit que je n'ai pas de papier. Tu veux... Et quand moi, une esclave affranchie comme ça, mais pas de papier en France. Tu n'as pas le papier français, idiote. Tu n'as pas le papier français. Il n'a pas de papier. Et alors non, c'est un exemple. Est-ce qu'elle est née avec les papiers? Moi, je suis camerounaise et fier de l'être. Alors. J'aime mon pays. Je suis fier d'être. Elle n'a même pas les papiers. Tu es une esclave affranchie, mon ami. Tu es une esclave. C'est honteux de voir une Africaine dire à son frère que tu n'as pas le papier. C'est honteux pour vous. Vraiment. C'est honteux. Tu ne vois même français dire à un Français au Cameroun que tu n'as pas le papier au Cameroun. C'est honteux. Tu n'as pas le papier. On t'a franchi une carte de séjour, une carte de résident de 10 ans. Tu te la pètes. Ça t'a servi à quoi? Un seul voyage aller-retour. Tu es allé où? Moi, je n'ai pas 10 ans. Je suis parti partout en Europe. Tu es parti où? Dans ta cabane pour le Cameroun, de cabane en cabane. De village en village, tu es parti où? Tu sors du village en France, tu pars au village au Cameroun. Tu es parti où? Moi, quand je suis, tu es parti où? De village en village. Toute ta vie, c'est de village. Et c'est la fin pour que tu veux me montrer que tu es une grande dame idiote. Moi, je suis parti partout. J'étais en Belgique, j'étais en Suisse, j'étais en Allemagne, j'étais en Autriche, j'étais en France. Tu es parti où? Tu es parti où? Moi, c'est en Kaolo. Attends, alors, quand j'aurai le Kaolo, tu vas voir ce qu'on appelle le tourisme. Comment il déchet comme ça, dis donc. Tu es le fond, tu n'es rien, tu es stérile. Toi qui as cousu, tu as quoi? Tu as quoi? Tu es capable de garder le père de tes enfants qui élève tes enfants. Tu as quoi? Toi qui as couché alors qui élève tes enfants. Tu vas prendre un boy pour y élever tes enfants. Tu vas lever un sangre pasteur dans l'église. Tu enlèves un prêtre devant. Tu enlèves un homme de Dieu. Ça fait pitié. Tu peux venir baby sister. Comment il est sale. Le gars te baisse comment? Il met l'oreille sur ton visage. Il ne peut pas te baiser. Attends, on va vers le visage. Il ne peut pas te tout.
Tu es ça mon monstre, mon frère. Moi, Satan, tu es ça mon monstre. Tu as besoin de quelqu'un de fille comme ça. La classe, elle n'a pas. Le feeling, elle n'a pas. Elle est tordue. Elle est saine qui sont. Mes seins sont gros, mais c'est pas comme le sac de Macabo. T'as peur comme le pilon quand tu te dis. Ouais, ça fait pitié. Tes seins sont comme le pilon. Quand tu vois mes seins, tu dis que j'ai 4 seins, j'ai 4 seins. Maman, c'est moumou. C'est naturel. C'est moumou. Ouais. C'est le seins bonbon. T'as pas les seins, c'est comme le pilon. Tu vois qu'on fait un tap. Le pilon, moi, ça tourne dans le mortier, comme ça. Bah, c'est les bâtards, les bâtards. C'est comme ça là. On est, je suis quelle la frange. Regardez-moi, je porte les 42 avec tes maigres fesses comme ma passe. Tu t'es regardé. La tu as quel forme pour que tu as vu quand je m'habille, moi je suis classe non. La bille que tu as vu sur moi là, j'ai vendu cet habit avant. Je sais que ça me suffisait pas. Cet habit avant, j'ai vendu 5 places, 5 pièces. Seulement le jour où j'ai vendu 5 pièces. Hein? C'était l'habit avant que tu as vu sur moi. Je vends les habits. Je vends les habits. Et dès que j'ai fini mon dieu, j'ai vendu 5 pièces. Elle a mis, vous avez j'ai mis seulement pour attirer la clientèle, c'est pas mon habit. Elle dit, mais regarde l'habit qui sort ici, ça sort là-bas, regarde-toi. Tes seins sont comme le pilon, comme ça. On ne sait même pas beau à voir. Même quand tu mets le bain de bain, ça n'a pas beau. Il faut qu'il fasse le job là avec le caleçon, mon frère. Tu fais le job là avec le caleçon, tu n'as pas le string. Elle veut aussi montrer qu'elle a la piscine. Maman, l'autre, Dieu, franchement, la vie, c'est quelque chose, hein. Une salette, tu peux sortir avec moi quelque part. Le fondia. Alors que tu dis que vend le pêche, le père toi. Mais tu m'as regardé, tu connais conduit. Mais tu m'as vu dans ton camion. On était ensemble dans le camion un jour. Vraiment. Mais quand vous. Attends, je pense qu'on confondre les gens. Elle est dans le camion. La femme là, appelle la femme là. Je te gifle la femme là. Elle est dans le camion. Elle va chez lequel client. Tu m'as bien regardé. Hein? Depuis plus de 4 mois, je suis en stage. Tu m'as informé. Tu me vois dans le camion. Avec les preuves là, puis tu me vois dans le camion. Je connais conduit pour prendre un camion à main, pour t'aider ou conduire un camion. Elle a le camion pour venir sailler le lot. Mais si elle veut se faire le camion, elle va faire le camion avec toi. Il y a camion et camion. Ton camion, si tu chies dedans, tu pises dedans, tu manges dedans. Tu prends le même seau que tu avais, mais c'est ça que tu laves les poulets, les poissons à l'intérieur. Ma poisson brûlée, avec les doumous qui à l'intérieur, une saleté. J'ai fait mon business. C'est un recours. Le taux d'entrepreneuriat en France, c'est 50 euros. On finance même. On finance que 50 euros, c'est même plus de me financer. Qu'est-ce qui est étonnant là? Il faut aller blâmer les gens qui ne connaissent pas la France. Allez blâmer les villageois. Purée. Tu vois, moi, je n'ai pas de société. Quand je n'ai pas de société, tu vois que tu es moi, mais pas fait de ma société. Tu parles même plus qu'elle. Je ne parle même plus que toi. C'est que j'ai vu. Eh, ma société, ma société, les gars, moi, ils sales idiotes. Puisqu'elle veut comparer mon gars avec ton papillon de mari là, ton pot de fleurs de mari. Ton on est maison, un mollusque. Un homme qui a dit avant son âge, la peau tombe là sur son corps. Ouais. On dit la peau de bœuf, tu veux me parler à qui? Mon gars, 49 ans, il est debout, il te baise, tu deviens folle chienne. Si tu as eu un gars comme papa, tu ne devais pas aller vagabond, tu ne devais pas immigrer au cas où pour aller récupérer un homme sauvage. Garde-moi sa tête de crabe, idiote, imbécile. Avec ta tête comme les trucs qu'on chasse, on nettoie les cabinets, tes têtes de loup là. Tu te sens à quoi? Idiote, maman, saleté. Ma carapaterie de ciel, c'était des villageoises, des villages, ma village, village en Beng, village au Cameroun. Et c'est là-bas qu'elle va jouer les blagues, à Ayos. Le soir, elle dit, oui, je suis dans mes droits, je suis dans mon pays, j'ai mes droits. Donc, village, tu m'as dit qu'elle parlait des droits. Yaoundé, le pays. Je ne dis pas parler à Yaoundé. Tu m'as dit, j'ai mes droits, j'ai mes droits. Elle a perdu sa langue, Yaoundé. Et si mes droits, parce qu'elle venait blaguer, petit villageois. Qu'elle aille là-bas boire deux bières, tout le monde la tape les fesses, ça va correctement bien. Elle a dit, était au Cameroun. Quel Cameroun? Cameroun est lampe tempête, idiot. Tu peux quand même te cacher la lampe tempête, tu sais que tu étais au Cameroun. La lampe tempête, le camion, la lampe tempête au Cameroun, au village, tu es venu par la fille de bien, tu es malade, idiote, saleté. Comment comme elle est? Noir, sale. Ma petite est noire, mais elle est propre, elle est noire peau de peine. Ton noir là, j'ai même vu la qualité de noir là. On dirait le kiki mbord de la mamie, chouane. Tu parles à qui même tous les jours là? Ils ont dit que le remède et le faux. Dans le mensonge, hein? Dans le mensonge, tu veux pas les filles barater de mon état? Tu veux pas d'enfant? L'enfant que tu as lié, la mère qui te sert à quoi? Qui crie par ci par là? Tu manques de jeunes. Tu n'as même pas réussi à garder le un petit peu et ramasser le cobaye. Il est là dans la maison, il garde les enfants des autres. Il est dépassé. Il est devenu fou, il parle seul dans la maison. Il parle avec les corps du village, avec les poules du village. Tu as vu, il y a l'enfant dans le faux. Tu vas bien regarder. Il dit, tu vas jamais à téléphoner. Il te dit qu'il a envie d'attendre Fleur de Lys. Chacun sa stamania. Chacun sa stamania dans les réseaux sociaux. Elle a sa stamania, ma stamania. Voilà. Je ne suis en concurrence avec personne. Voilà. Je ne suis en concurrence avec personne. Personne n'est mon chef d'enfant Facebook. Quand il veut les vues, j'ai les vues. J'avais eu 2600 personnes à maintenant. J'ai programmé le direct. Moi, je programme pas mes TV. Il fait mon direct qui dit ça. Hein? Tu as compris quoi?
Moi, je suis blogueuse confinée. On te connaît aussi les Ivoiriens. Va, c'est pas. Va chez B52, Lolo Foyer va te parler de moi. Va chez Lolo Beauté, Lolo Foyer va te parler de moi. Va chez VP de Londres, il va te parler de moi. Va chez, comment on a vu mon DJ Pistolol, il va te parler de moi. Va chez Elvis de Milano, il va te parler de moi. Tous les blogueurs ivoiriens vont te parler de moi. Toi, on te connaît où, mamie? Youbiou. Youbiou. On te connaît où? Tu parles de blogueurs confirmés? Quand même, tout Dieu me connaît. Quand même le Patias Amougou Beninga, le père des pères, c'est mon père, Oha. Ayop, Ayop, je suis avec lui, Oha. Et la télévision des écarts est là. Tu as compris quoi? Tu as parlé même en direct de Vision 4, idiote. Et là, je vais partir que là-bas. L'autre n'est pas encore allé à Vision 4, depuis on attend la photo. Hein. L'autre n'est pas encore arrivé à Vision 4, c'est moi aller chanter avec les bottes en hiver. Les bottes d'hiver, je suis en été. Tu n'allais pas encore passer à Vision 4, on attend tout Vision 4 là. Le Patias a compris que la manipulation, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est terminé. Unité nationale. Unité nationale, c'est ça ou rien. Et Charles Camounet est chez lui. C'est comme ça et pas autrement. Et tu seras reçu. Tu, et je serai reçu là-bas. De la plus belle des manières. Et c'est tout, et c'est comme ça. Voilà. Idiote, mais là, je n'ai pas ma petite. Si vous voulez qu'on clash, ma petite, c'est une autre clasheuse. Non, si on met le Dieu, vous allez suivre Facebook. Idiote. Elle, elle ne connaît pas le français soutenu. Moi, j'ai là dit que. Et on écoute. Et quand moi, il s'arrêtait comme ça. Elle est place de Dieu, elle dit que le leuf, elle va parler à la télévision des écarts. Mais bim, nous, elle est là, wawok. Regardez-moi ça. Chouane. Elle me parle, je suis pas à qui. Tu m'as bien regardé. Tu m'as dit que tu as payé la maison en France. Tu as payé ça, tu as pris là-haut pour payer la maison en France. Tu m'as parlé au cul à dire, on dit, tu m'as payé la maison en France. Tu as travaillé au tu as un CV. Elle dit, elle ment sur mon nom. Puisqu'elle parle de papa Fondia. Tu as vu papa Fondia là, la voiture, ton gars le permis en France. Ton gars a roulé sur l'autoroute un jour. Papa Fondia le permis. Papa fait la roue dans l'autoroute, il a les voitures dans le parking. C'est clair. C'est sa maison. C'est clair. Il roule la voiture, il a le parking, il a tout. Maman, je suis gâtée. Oh. Sa belle s'est gâtée je chez suis lui. Gâtée, le oh. Figure est plein, tout est plein, tout le monde que papa fait, c'est l'assurance. Tu veux vraiment me tuer? Tu parles à qui un tamant, tu es un bangloire de son état, tu es malade. 1m97. Un homme qui a la carrure, qui a la prestance. Tu parles à le plus bon garçon des barandés. Tu es un salon, tu parles de quoi? Tu peux ramasser du cul du Covid, tu viens de déranger les gens. Tu as ramassé du cul du Covid, tu l'as amené. Tu dis que tu veux parler aux gens, maman. Amène ton gars et papa, il voit Paris, non? Depuis qu'il est venu, maman, vu la lumière de Paris. Mais fais tout en voiture à tout, mais fais mon frère, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu veux condamner le type là vivant? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un, pitié de lui. Et c'est une chose aussi méchante. C'est quand même mauvais que ça. Merde, comment il dit, idiote, tu parles à qui? Je te reste, tu veux que j'ai peur de toi? Une moulette, une piscine au lit comme ça, tu parles à qui? C'est quand même méchant, tu amènes le long de tuer. Un pauvre garçon, tu as amené maman, le mollusque là. Il a mais amène le gars, il va visiter la Tour Eiffel. Il n'a même pas remonté sur la Tour Eiffel. Il n'a même pas vu les villes de Paris, toutes les villes au village. Il n'a pas vu le changement entre le fin fond d'ailleurs et le village et lui, il est là. C'est tout la même chose. Merde, dès que je vais mon mari, le cadavre avait la bague en carton, la bague forcée. Elle a forcé pour mettre la bague. Vous venez monter. Mariage sans valeur, imbécile. Mariage sans invité. Mariage sans ambiance, mariage sans pour les fleurs, mariage doigtage, mariage doigtage, mariage droite, moi c'est quatre, mariage droite, le mariage droite, tu es pas qui, tu es qui, mariage tu peux te laisser, le leur fond de tu es quoi, tu es une chienne, tu ne seras jamais comme Florie, tu veux comparer deux filles bambliquées, parle, tu veux dire que tu veux pas les avec bambliquées, non. Mais tu fais la pub, tu es une chine dans les bambins. Non, est-ce qu'elle croit même que tu as peur de... Tu as eu peur de quelqu'un. Elle sait, même l'autre sait que tu as eu peur de quelqu'un. Elle sait que tu as peur de quelqu'un. Regarde-moi, ça, je te réponds pas parce que n'est pas le temps. Je vais aller à la poêle à laver le caca des blancs. J'ai pas envie de finir le poisson brisé comme toi. Le poisson brûlé. Ah, mais le plus... je vais pas assurer ma retraite. Mais c'est toi, même si j'ai 45 ans, j'ai 44 ans, je vais travailler jusqu'à... À quelle âge la carrière de la retraite, ça fait à quelle âge 500 euros qu'on te verse tout le temps pour ton père. Hein. Oh, mais tu as 500 euros. J'ai ma richesse, je suis héritière. Hein. On te verse chaque mois 500 euros. Hein. 500 là, euros. Le maître, bien qu'on me donne. Et maintenant, ce qui se passe, tu vas travailler pour 20 ans. Hein. Même s'il me reste 20 ans, la retraite, 65 ans. Alors 63, même si je vais travailler 20 ans, j'aurai au moins 1000 euros qu'on me donne. Donc, viens, on va laver les caca de Wad Mama. C'est pas petit. Hein. Ce n'est pas petit. J'ai pas fini le poisson brûlé, j'aime tout mon teint. L'augmentation que tu avais déjà toi, hein. L'augmentation que tu avais déjà de travailler mon teint. Maman, la fumée va brûler mon corps, mon frère. Tu veux pas voir la fumée sur moi, hein. Regarde mon teint, mon frère. Le teint chocolat. Le teint de Chantou. L'augmentation de ça. Parce qu'il y a augmentation, mais augmentation. Il y a le faux augmentation, il y a le vrai augmentation. Ça, c'est la chimamérie de augmentation. N'allez pas acheter ailleurs, vous dites que tu as le manque avec l'augmentation. Achetez chez Total Lolo. Et vous dites qu'on ne vend pas une augmentation pour être clair.
Pour être clair, il faut au moins 6 points d'équitation. Voilà. La vie, c'est un choix. Investir. Elle a choisi d'être une noire, nous, on a choisi d'être clair. Et la vie, c'est comme ça. Oui, 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 tu es clair. Tu veux être noir, tu es un noir propre. Noir peau de benne, comme ma petite soeur. Pas noir sale. Pas noir teinté. Noir avec la date noire sur ça, mon pas frère. Pas noir de Strasbourg. Pas noir de Strasbourg. Le noir, le noir. Doching, là, c'est le vrai. Oui, 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 le teint. Oui, le teint de ça. Le teint de ça. Je suis métisse, mon frère. Faut qu'elle pas vision 4 quand, quand ma star marche en tout l'iscon, c'est qui fait frampo dans ce moment, avec perdu le son de l'heure. Qu'elle va mener à vision 4. Vous l'avez dit que vous, elle, vous voulez vivre partir là. Amène la sorcellerie dans sa famille. Elle a sa famille, c'est moi. Oui, je suis sa famille. Je suis avec elle, oh ah. Oui, je suis avec elle, je la soutiens, oh ah, dans tous ces combats. Elle avait mon cœur, elle m'a mené sur le patriarche, le patriarche. Sur les hommes là, j'ai fait la lèche. Les allus de ça. Oh, j'ai fait la lèche. Quand tu vas entrer là-bas, les allus de moi, ça. Moi, il faut le tina pour le poisson brisé, maman. Il faut le tina pour le poisson brûlé, brûlé. J'ai fait mon tina pour le poisson, mais je fais mon tina pour les vestes, maman, le terrain de ça. Le terrain de ça, mon tina m'appelle le terrain. Maman. Va mourir, va te pendre au lac. Va te pendre. Mon tina, c'est pour payer quelque chose. Le tina qui a payé le terrain. Oh ah. Le patriarche des patriotes. Bang. Oh ah. Il a le terrain. Fermé la bouche. Il a fermé la bouche. Il a dit, fermez vos gueules. Nous sommes tous des Camerounais. Mon tina a payé. Ton tina, j'ai fait la lèche, va dire. On dit que pour devenir quelqu'un derrière quelqu'un, on nous avait appuyé chez nous, les peuples américains. Quand tu veux quelqu'un, tu fais. Hein? C'est comme ça. Et oui, je suis propriétaire de toi d'un terrain qui lui aura. Oui, aura. Mon tina paye. Quand tu fais le tina, tu vas se rappeler que quand on vend ton poisson, tu te fais la pub de poisson. Elle fait le téléphone. Et si elle venait, elle dit qu'elle fait pas ta pub, elle va te faire ta pub. Elle fait pas. Tu vas souffrir à les réseaux sociaux. Même tu si vas payer ton djangui. Même si elle fait. Ici, je parle ici à tous les Camerounais que personne ne paye ton brûlé brûlé. C'est un sale parole. La reine d'Alain est rentrée avec les poissons du Cameroun, les bons poissons jutés au bout de ça. Avec l'eau douce. Le poisson, il sort dans l'eau. Il y a le sucre naturel, le poisson de la reine galloise. C'est avant, on allait acheter là-bas. Ça pâque. Ça l'était. J'ai peur de toi. Allô? Que quoi? Des blocs où? C'est qui? On va débloquer. Merci beaucoup. La camionne d'ailleurs. Ne pleure plus, on va te sauver, ne pleure plus. On va te sauver. J'ai rougi, parce que c'est trop fort. Léna Boston, tu rigoles. Léna Boston, quoi. William Carrel est mort. Zizi Pointu, William Carrel, les gars, je suis morte. Regarde-moi la chose, quand il parle pas, il est qui est maman. Là, il va me couper encore l'espace. Ben, ça vient. Il dit, il faut qu'un bonsoir. J'adoube Bellinga, pression 4, bonsoir. Tu n'as pas vu de faire le direct. J'ai mis le numéro pour appeler. Tu m'appelles sur mon WhatsApp, maman. Pardon, appelle sur le numéro que tu vois là. Il y a un WhatsApp sur le numéro là. J'ai mis le numéro au WhatsApp. Ma chérie, quand il te parle, peut-être que. Je suis fille Bamleka à part. Je suis fille Bamleka à part. Je t'ai dit que c'est donné des combats que j'ai combattu. Tu vas pas croire. C'est parce que je défie bas ces femmes qui ne parlent pas. Elles ne parlent pas les affaires de Facebook. Je vais vous dire. J'ai habité dans un couloir à Malabo. Dans un hôtel à Malabo. Hein? Dans un hôtel en Guinée équatoriale. On m'appelait Miss Lolo. Dans un hôtel. Dans l'hôtel où on habite, on appelle l'hôtel le Titi et Péke. Hein? Alors l'hôtel là, il y avait la première chambre. C'était une fille guinéenne, et Belinda. La deuxième chambre, c'était une fille cribienne, ma soeur de Kribi.
la troisième chambre. Non, quand elle est partie, Bastien de Kimi est partie. Elle est partie, elle nous a laissé. C'était une fille Bastien qui avait la première chambre, la deuxième chambre. Troisième chambre, une fille Bassa. La quatrième chambre, une fille Bassa. La cinquième chambre, c'était moi. Oui. Les filles, elles me regardent quand je parle de ça. Et en face, il y avait une fille anglophone. Oui, Anna, elle est à Dubaï. Viens là me voir. Viens me voir à l'audiel. L'un jour, les gars là disaient qu'on va te, on va te montrer que toi, tu es une bamineke. Tu ne parles pas pour ici là. J'ai traité les filles là. Elles sont là, me disaient qu'elles parlent. J'ai traité les filles, on dit que non, yes, maman, dans le tchaka. Oui, et que je suis pas une bamleke, que vous faites ça là. Moi, je suis une bamleke à part. Une blessée de guerre. Oui, 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 oui. Elle fait la guerre d'Aouzou. Oui, 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 oui. Ce n'est pas le peuple. J'ai été formé par les Akawa. Ouais. Une vietnamienne, mon frère. Il faut même t'amuser. Une tête brûlée, mon frère. Une fille qui a la formation d'Aqua, mon frère. J'ai habité avec les mercenaires. J'ai commencé avec les bangando, les fumeurs de banga matin, midi, soir. Oui, Adjo, ne me parle pas comme ça. Je suis pas un bambéka. Quand c'est l'air, tu chines dans sa boue. Elle dit stop, c'est pas moi. Elles ont une force comme je les ai traitées comme il faut. Elles m'ont dit que non, Lolo parle. Chacune venait s'arranger avec moi derrière. Que maman parle, c'est elle qui avait dit qu'on était devenu les babas de complices. C'est que des mains sont là. Et regarde mon dive. Elle ne ment pas. Tu en bien quoi? Tu veux quand tu peux me frayer? Tu peux me mettre du situ à mon corps. Moi, c'est vraiment une bunda comme ça, dis donc. Tu parles à qui? Tu parles à Ngale Bangando, mon frère, il fait qu'il a fait le tour du Cameroun. Tu parles, tu me connais où? Il fait qu'il a suivi ses parents, il est rentré chez elle sans être malade. Tu n'as pas peur de moi? Tu n'as pas confiance, papa André? Idiot, tu n'as pas peur de mon mamie à ta? Il fait qu'elle partait au Cameroun, on enterre les cadavres tous les jours devant qu'elle. Quand on portait les cadavres, on amenait au Cameroun tous les jours. On dit que t'es les morts, t'es les morts, t'es les morts. Même le mot de tête, je n'ai pas eu. Tu n'as pas peur de moi, maman? Tu n'as pas peur quand j'ouvre mes yeux, quand je vois qu'il y a le mamie à ta dedans? Merde, mon frère, tu sors d'où? Qui t'a trompé sur ma route? Parce que la chauve souris qui était la chienne là qu'elle a amené comme besoin de cet enfant, elle est incapable de faire venir son enfant en France. Elle est vagabond, elle est toiture la nuit dans la fête où tu dis que elle est en quoi, tu es pas là qui? Elle me fait quoi? Mais son nez handicapé là. Hein? Elle me fait quoi? Tu es malade? Tu es malade? Elle c'est qui? On appelle la loi. Qui appelle? Tu es malade? Tu es folle? Qui t'a envoyé? Tu as glissé, tu es arrivé sur moi? Quand j'aurai le télénet, tu ne seras pas fabriqué. Opération 10 vues. C'est comme ça, pas autrement. Opération 10 vues, tu vas rester là, tu vas voir pour monter. Tu vas demander pardon à la nation camerounaise. Parce que tu as offensé d'un attribut. J'ai les raisons pour lesquelles il m'a mis power. Je peux m'expliquer. Il m'a mis power, quand j'ai tout expliqué, c'était pas tribal. C'était pas tribal. J'en avais marre de vous. Il a fallu que vous montrez que je suis femme kenyonne. Je respecte, mais je peux devenir folle comme vous mille fois. Et vous dépasse même. Regarde-moi ça. Tu parles à Lolo pour les potes, comment tu es folle? Regarde-moi une femme debout. Tu es capable de faire le 100 mètres comme c'est 100 mètres comme maman. Je n'ai pas besoin de le nez de Dieu. Les yeux revolvers. La bouche. Et le tout qui a les dents. Parce que c'est quand il dit que je vais enlever ton cul noir. Je vais rendre ça en jaune. Eh, sort. Il va enlever ton cul noir là. Parce que c'est noir. Même avec la torche, je vois pas le trou. Je vais t'enlever, je vais mettre le trou et remettre sur toi, imbécile, va. Comment il s'arrêtait comme ça? Je suis arrivé en Suisse. Ma mère est quand? Ma mère Betty, Miss Charlotte. C'est ma maman. Elle m'a adopté, une femme Betty. Elle est partie au Cameroun. Elle m'a laissé sa maison. L'enga Betty, elle voulait faire comme si elle dit, hey! C'est pas moi. Elles ont appelé Miss Charlotte, Miss Charlotte, que maman, tu as laissé le lion dans la maison aussi. Tu as laissé le lion. Elle a dit que oui, c'est ma fille. Elle va que vous traitez, c'est comme ça. Elle ne me fait pas ça. Elle ne me fait pas ça. Je ne négocie rien avec toi. Quand le lion vient de Dieu, qui? Tu es le président du Cameroun. Tu représentes quel camp? Les camps que tu allais souiller. Les camps que tu allais mal prendre d'eux. Les camps que tu as dénigré. Tu représentes quel camp? Tu es qui? Tu es ton nom figure où au Cameroun? Un nom que ton nom figure où? Mon nom figure quelque part au Cameroun. Même dans l'équipe nationale des lions indomptables. Mon nom figure dedans. Ton nom figure où? Qui te connaît? Qui te connaît, ma tout pourri? Qui te connaît? Ma sœur Noua, mais ça s'appelle Diaï. Son père est commissaire piseur. Le premier commissaire piseur de l'océan. Reconnu officiellement. Ouais. Il a salué Aïdjou, il a salué Pobia. Ton père salué qui? Ton père salué qui? Mon père salué Aïdjou, mon père salué Pobia. Ton père salué qui? On le connaît où? Mais c'est un tout pourri qui est venu de quelque part. Il s'est arrêté à Yossi, il vendait le charbon, il vendait le problème de soya.
Ça, tu es habitué à la fumée. Tu as hérité de la fumée quand on parlait le soir. Les soeurs, tu ne veux pas là, tu es malade. Regarde comment elle est. Sans forme. Tu as dit que moi, je suis comment? Je suis belle, maman. Je suis belle. Mais moi, je me mets debout. Maman, tu vas encore me mettre debout. Tu veux pas la fille du commissaire Piseur? Le commissaire Piseur, tu veux pas la fille du commissaire Piseur? Elle n'aime pas le mot là, ça fait mal. C'est mon père, ma chérie. Je suis chienne, elle dit que les filles comme du commissaire Piseur, moi je me lavais dans la baignoire. Tu veux monter, tu veux monter la baignoire en France? Nous, on a monté la baignoire depuis le Cameroun, mon ami. Tu fais la baignoire en France, elle fait le poster, les bikini. Maintenant, tu fais le mannequinage. Regarde-moi, c'est qui veut faire le mannequinage. Oh, est-ce qu'on a filmé, on l'a mis sur Facebook? Idiote! Ouais, est-ce qu'elle a filmé, on l'a mis sur Facebook? Elle a fait le poster, on l'a mis sur Facebook dans la piscine. Demande à sa part de piscine. Gilageoise d'Ayos. À partir de maintenant, quand tu me joues, je vais venir t'insulter. Tu n'auras pas de vue, tu seras pas star. On va entendre ton nom, tu seras pas star. Tu vas pas arriver chez les Ivoiriens. Tu vas pas arriver chez les Gabonais. Moi, je suis connu partout. Avant Facebook, j'étais connu. Et après Facebook, je serais connu. Tu pars au Gabon, tu demandes RFI, on te parle de moi. C'est ça, moi, c'est que je suis une femme qui me. Je me pose. Je n'ai pas eu la facilité des réseaux sociaux pour me faire connaître. Tu pars au Gabon sur moi, Bongo. Tu n'es pas là au Bongo. Quelqu'un appelle RFI. Même la police gabonaise me connaît. Une fille qui s'est levée à Libreville, elle parle de 21 filles à 6h du matin. Elle s'en boit, Lolo. On dit que ya, eh, mienne. Yé, yeah, Lolo, faut dire que c'est mon pays, le Gabon. On m'a initié là-bas avec le Boca. Tu n'es pas au courant. Tu as bu le bois, mais continue avec moi. Quand tu vas faire. Continue. Tu vas te retirer que le chemin de ce que s'il y avait su. Moi, je ne fabrique pas, je détruis. Hein? Ma fumage. Il va te fumer. Idiote. Regarde-moi ça. On t'a pas donné les échos. Tu pars en Guinée, quoi. Toi, tu ne manques que Miss Lolo. La seule fille que les enfants de Bianca va venir marier dans sa chambre, c'est Mi. Oui. J'ai une référence. Tu as fait quoi de ta vie? Elle n'a rien fait. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Les riches s'occupent des riches. Et tu t'occupes du pauvre? Laissez les pauvres tranquilles. Franchement. Elle est venue monter la baignoire, ça parle de ce qu'elle a fait, ça parle de diplôme en fan. Avec le pantalon, le caleçon de Jobala, le caleçon de Pépé Calais, c'était ici là. Il fallait le poster avec le pantalon. Maman, c'est quoi si les mannequins? Maman, regarde-moi aussi, c'est la gueule. Filme-moi, j'ai eu filmé, moi aussi, j'étais là. J'ai posté de ça. On dit les anciens visuels dans les rôles de nous de finesse. Chouan. Tu m'as bien regardé? Hein? Regardez-moi une saleté comme ça là, tu veux dire que les filles babliquées dans les portes, tu veux une fille babliquée? Franchement. Attends, on va comprendre, tu veux une fille babliquée? Non, quand même les filles, quand même fait la rivalité, quand même prendre les filles quand pour rivaliser les filles babliquées, tu es très loin derrière. Tu es très loin derrière. C'est les babliquées, les catéronnes, il y a les filles aux yeux bleus. Tu sais pas ça? Idiote, tu es pas les vraies filles quand? C'est même pas la poubelle. On a vu les Nathalie Dutch. On a vu les vraies filles quand? Pas vous les haineuses, toi tu es une petite gilageoise sortie de n'importe où. Elle, je demande pardon au peuple bamlékais. Pas avec moi, on ne veut pas ton pardon. Zéro pardon. Tu demandes pardon au peuple camerounais. Que tu as voulu coller les têtes de tribus. Pas avec ton pardon ailleurs, idiote. Bon. Regarde comme elle est. Elle va dire que c'est qu'elle est belle. Tu es belle, mamie. C'est qu'elle dit que regarde-moi, je regarde quoi sur toi. Je regarde quoi sur toi. Qu'est-ce qui peut m'attirer sur toi? T'es ceux qui sont comme le pilon là. Il y a quoi sur toi? Regardez-moi comme une chose comme ça là. Une mère doiteuse. Hein? Une fille qu'on doite le jour de son mariage. Elle voulait jouir dans la robe de mariée. Oui, doite-moi. Oui, casse, c'est bon. Avec la robe de mariée. Et le mariage maudit. Le mariage maudit. Le mariage sans invité. Le mariage sans nourriture. Que la nourriture avec le porc là-bas. Le ngoy qui avait là, le gogo porc. Tu es un petit mariage avec le porc de quoi? Le mariage sans invité avec le prêtre. Ouais, Django, parce que tu maries la malchance. Hein. Un prêtre que tu allais lever à l'église, mon frère. Comme tu es la souris, là, tu étais noir, tu as récupéré le prêtre, là, tu es parti avec lui. Tu l'as amené à la famille, je dis, le prêtre de Tui. Un mariage sans animation, sans DJ. Il n'y avait que les corps, même les corps du village étaient invités à ton mariage. Tu es dans ce jeu, pas là, Lolo, tu parles à qui? Le jour où elle m'a marié, maman, ça sent le mariage du star. Maman, elle est la fille d'un commissaire priseur. Hé, maman, ça. Lorsque elle va marier, maman, lorsque elle va signer l'acte, pour vous faire plaisir, parce qu'il y a marié. Tu vas vendre les billets. Mon gars, même. Je vais vendre les billets. Il y aura les invités. Quand elle va marier, c'est au château de Reims. Demande à ma belle dame. Ma belle, c'est ma belle dame. C'est au château de Reims. Dans les champs des vignerons. Il y aura que les filles classe. Les gens vont supprimer mon mariage. Ça sera beau, chic et glamour.
On va pas voir les mains doigtées là qui ont souffrié. On fouille ton cul dans la robe des mariés. Salope. Ma doigtage. Elle est laissée parler de l'Ophodia. Eh, Antiamouana, c'est dit que vraiment Facebook, aïe. Parce qu'elle a conçu. Parce qu'elle a conçu la maison dans la Boto village. Et alors? Elle a hérité la maison de l'héritage de Gaulle. Elle vient parler. Ne me parle plus jamais. Regardez-moi une saleté. Demain, quand tu vas lancer le direct, je serai là pour venir écouter. Je te réponds quand je veux. Je vais seulement te reprendre que tu peux dire qu'il peut être. Moi, elle ne manque pas sur toi. Toi, tu pourras te dire qu'elle était au camion. Il y a la femme qui a. Affiche-moi. Affiche-moi. Affiche. Affiche. Elle était au camion. Elle était ceci. Elle était cela. Donc voilà qui a fini ta carrière du camion. Tu as fini par vendre la maison de retraite. Là, tu vas vendre même à qui? Tu vas vendre qui peut les maisons au village? Il y a les campagnes. Il y a les campagnes de luxe en Europe. Qui peut les maisons dans les villages? Qui peut les maisons dans les villages? Regardez-moi ça. Si c'est, je te souhaite bonne nuit. Tu vas dire que ma soeur veut dire que la veuve, je vais. Bonigo, je connais tes aussi. Ça mène d'autres points. Hein? Quand tu pars à gauche, Bonigo, pas à droite. Moi, j'ai apaisé parce que tu as bien parlé. Si tu as me suis apaisé, je m'en fous de tes injures. Moi, je suis avec ma noirate. Oui. Oui. Regardez-moi une saleté comme ça. Tu peux pas porter ma botte. Hein? Tu as comment dans ta lolo, hein? Classe, j'adore être belle. Je ne veux pas compliquer ma vie, je ne veux pas me comprimer. J'adore être très belle. Tu as un bel gars, tu vas venir charger les couilles des enfants tous les jours. Il vient charger les couilles. Eh putain, le gars là, je vais te porter plainte pour séquestration d'un prêtre en France. Tu vas aller avertir le truc des catholiques là. Il était volé. Lui aussi, il est là, on dit qu'il débloque, il débloque. Tu vas te rire comme la souris. Il est là, hein, comme le moukou, quoi. Comme un poisson qu'on vient de tuer. Il va. Mais tu peux pas essayer à Papa Fodja. Vous l'avez pas, vous pensez qu'il y a qui dort là. Papa Fodja, c'est un lion, hein. C'est un lion, c'est quand un homme que Dieu. C'est un pilier pas facile, il fait le cinéma là. C'est un jumento. Regardez-moi ça. Elle aussi, elle a dit qu'elle a porté la culotte l'autre jour. Elle a porté, j'ai porté, elle monte la culotte, elle dit qu'elle a porté la culotte. Et tu vois ses pieds par terre, maman. Franchement. On dirait que ça se balade, ça part à l'autre, ça part à gauche. Ah ben oui, hein, je suis belle fille, hein, je suis baptisée, hein, je le fous à ses pieds, hein. Ah ben oui, insultez-moi là. Qui t'a appelé à faire le direct? Salope. Regardez-moi ça. Avec ta tête de rat, femme bordel, malchante. Le mot mal est qui dans ton visage? Poisseuse. Si tu es une vraie femme, tu devais garder mais le troisième père des enfants. Tu as voulu jusqu'à 5, c'est au 4 que tu veux garder. Même là-bas, il va partir. Tu vas fier que la même là-bas, il va passer. Dans ma main, quand il aura le kaolo, il va fuir. C'est moi qui te dis, dans ma main, tu vas voir. Il reste là, tu changes mon nom. C'est moi qui te dis. Comme tu veux, vous aimez entendre. Tu viens garder le troisième. Une femme qui paye les Bangalais au Cameroun. Yo, maman, est-ce qu'elle peut la mettre en France? Tu es malade. Tu es malade. Moi, Lolo, je l'ai pinte, je laisse là-bas, il rentre en main. Tu es malade. Tu es un peu petit. Tu peux pas chercher l'accompagnant. Enfin, il y a les beaux-arts qui viennent tous les. Il y a l'arrivée de Lampedusa, les arrivants qui sont des beaux-arts qui arrivent un peu de partout d'Italie. Tu vas prendre un beau-arts ici, tu as peine. Tu as eu peur. Tu vas prendre ton mougou. Tu as eu peur que tu vas prendre un gars qui connaît un bébé, il va te traiter. Tu allais prendre le mougou, tu as mis dans ta maison. Tu as dû pleurer devant le miroir. Eh, Mayem, mon frère ne pleure pas ici, tu es en France. On va laver les assiettes, c'est ça que tu appelles Marie. Bordel sans valeur. Elle s'assoit dit que Lolo fait le camion. Le jour qu'elle va faire le camion, c'est que la poule n'aura plus les dents. Le jour que la poule aura les dents. Tu as compris? Je me moque parce qu'ils font le camion. Les vrais filles du camion ne font pas le bruit comme toi là. Elles sont claires, elles sont dans leur petite vie. Elles réalisent dans le noir. Chiffonne. Regardez-moi ça. Tu sais, bon, vous laisser. Conclusion, tchap. Oh tchap, on va finir le son, on va danser au tchap. Non, après on danse ma chantou. On va d'abord danser ma chantou, comment c'est d'abord ma chantou, ma star. Alors téléchargez, faites les démos pour encourager ma star. Envoyez les démos pour encourager la star qui a chanté la chanson de l'unité nationale. Envoyez les démos pour encourager la star. Allez télécharger sur YouTube. Ma chantou fait fort. On va encourager notre star. Après, c'est la seule Camerounaise, l'artiste Camerounaise qui a dit que non au tribalisme. Elle a combattu auprès de sa soeur. Même mes amis dont étaient jaloux, ils ont montré leur vrai visage. Ils ont montré qui ils sont. Mais ma sœur a dit que je suis avec Tata Lolo. Je suis ma sœur Amleke. Oui, je suis avec elle. Elle est restée avec moi. Vous allez détruire sa famille. Et allez vous filmer sa mère. Tout se paye ici-bas. Vous allez payer.
qui tue pas le paix, meurt pas le paix. Vous allez payer ce que vous avez semé dans les réseaux sociaux à cause de votre haine tribale. Vous êtes parti appeler un grand frère enregistré, mais dans les réseaux sociaux, pour créer la haine, la zizanie. Puisqu'on reçoit celle-là, Sia TV. Pauvre Cameroun. Et c'est moi qu'on n'a pas recevoir. C'est moi qu'on n'a pas recevoir Vision 4. Parce que je ne suis pas qui. Elles sont différentes de moi, mais elles montent leurs caleçons dans les réseaux sociaux. On a monté mon écartement malgré moi. Elles montent leurs caleçons. Elles montent leurs Diobala. Les femmes qui font le Diobala, les caleçons, des gros ballons. Bon, fallait que tu sois payé vos tailles. Ou manger sans caleçons comme moi. Arrêtez de salir vos corps, l'intimité de la femme, les gros caleçons. Les gros caleçons, c'est pour les grands-mères. Si tu es à grand-mère, dis-nous une fois. Les gens qui mettent les strings, où tu mets sans caleçons. Où tu mets les tailles normales, les petites tailles là. Ça pack. Je vous emmerde. Venez même sans. J'ai le souffle. Je peux parler même une semaine. Et je suis star. Personne ne me dépasse. Ah oui, oui, oui. Je suis star. La Lolomania. L'animatrice TV d'accord ouvert. Partez le live. Quand je ne suis pas là, revenez me dire ce qu'ils ont dit. Je vais écouter. Et je reviendrai leur répondre. Et toi, Mantinda de Strasbourg, tu demeures Mantinda à vie. Tu ne peux pas diviser les Camerounais. Tu n'as pas réussi à diviser chez les écans. Comme tu avais faim, tu allais crier. Oh, cherche maintenant pour aller à recevoir Paul Biya. Tu pouvais voir les gens qui ont suivi Paul Biya au Kaysan. Vraiment, ils ont suivi le président Paul Biya. À cause de la famine, on vous a pu venir crier à l'aéroport que le président Paul Biya est venu. Vous êtes passé à l'aéroport à cause de 200 euros. Même la voix ne sortait pas. On me mettait là-bas. Hein. On avait convié 100 Camerounais. Si on me mettait, on avait convié 100 Camerounais. Je devais crier là-bas jusqu'à ce que je devais crier. Quoi, quoi, quoi. Mais ils sont 200 euros. Vous avez pris le train de Strasbourg, vous venez en France, vous venez crier. Oh. Vous avez massacré. Tu n'as pas pu diviser les Camerounais. Mais là, tu reviens comme le. Comme la chauve sur, tu déposes ton corps là sur la toiture des gens. Vous venez diviser les Camerounais que l'autre dépasse. Elle revient manger. Personne ne me dépasse, maman. Je suis star. Ben, tu me regardes. Elle je suis dort star. Chez toi. Elle dort chez toi. Oui, tu dors chez moi. Tu es Mantinda. Tu as mangé. Tu as mangé. Tu as vendu ta team. Tu t'avais ta team, tu prenais le secret, tu venais me dire. Vous faisiez vos réunions. Tu m'appelais sur le téléphone, entendais ce qu'il disait. Tu parles de Linda, tu peux tuer plus que de Linda. Linda n'a même rien fait. Toi, tu peux tuer. Tu as vendu le faux profil à celle d'Antoine Bacho. Toi, il m'a dit qu'il était cette femme. Tu l'as vendu. Tu as vendu le faux profil de ta team. Parce que tu voulais acheter mon amour. Tu es Mantinda à vie. Tu as payé pour être mon général et tu es déchu. Tu ne seras plus et plus jamais à jamais. J'étais vomi, tu as dit que tu pars. J'étais dit qu'on revoit. Elle a supplié quoi de général. Et maintenant c'est terminé. Chez moi c'est comme ça. Même si tu dis encore le même que Lolo est gentil, tu ne seras plus jamais avec moi. Moi c'est comme ça. Un tour 2021 c'est comme ça et pas autrement. La femme c'est sa décision. Pin, c'est fini. Ça a été terminé. Basta, je suis plus avec toi. Au revoir. C'est comme ça. Je suis une Camerounaise, pas Wabamneke, pas Wawaye. Je suis. Oui. Venez même sans. Je suis prête. Quand il y a le temps, il vient vous répondre. Quand il peut peut-être faire mon émission, vous avez vu comment j'étais belle dimanche. Le dimanche, alors, c'est la chimamélie. Il va apprendre à vous laver. Vous allez après faire le make-up. Il est venu prendre là, vous habiller. L'arrivée des habits des femmes fabuleuses à la fin du mois. Je sais que les gens se reposent parce qu'il y avait les fêtes. Le deuxième arrivage des femmes fabuleuses à la fin du mois, vous allez voir les robes. Le chic et le glamour, ma soeur. Mangeons votre argent vivant. Corona nous a montré que. Andor, s'il y a rien. Quand tu travailles. Quand tu as ton argent, hein, oui, construire aux immeubles, moi, il m'habille. Ça fait mal où? Mais elle a construit la calabo pour moi, Kimi. Quand il n'est pas gêné, il n'a fait pas ouvrir ma chambre, je dors. Je n'ai pas besoin de location, quand vous. Je ne venais jamais dormir chez vous. C'est là où mon père m'a sauvé. Je ne venais jamais dormir chez vous. Mais elle a sauvé mon honneur. On a dit qu'accoucher et protéger vos enfants. Il a accouché, il m'a protégé. Oui. Bien, on a dit qu'accoucher et protéger vos enfants. Bien, il a accouché, il m'a protégé. Que mon enfant n'ira jamais dormir chez les gens. Il a mis la maison à Kimi. Mon enfant m'a manqué 100 euros à la fin du mois. Il m'a mis à l'épée. Il m'a épargné de tous ces besoins-là. Donc, je suis là, quand ça ne va pas, construisez vos maisons. Construisez tout le Cameroun. Construisez tout le Cameroun. Je vais seulement venir direction Kribi. Ça ne va pas Banganté. Ça ne va pas Babou. Ça ne va pas Bassamba. Ça ne va pas Bantou. J'ai la place à l'ouest. Même à Douala, tu as la place. J'ai la place à Douala. En plein cœur de Douala. En plein cœur du marché des dos. Allez, méfiez-vous. Nous sommes propriétaires partout. On ne loue pas. Hein. À Douala, nous ne sommes pas location. À qui nous ne sommes pas location, à Bandou ne sommes pas location, à Babou nous ne sommes pas location. Hein. Ah oui, oui, à Bassan nous ne sommes pas location. À qui nous ne sommes pas location au Cameroun, donc je n'ai pas les dents. Elle ne viendra pas toquer chez vous. C'est qu'est-ce que c'est ça? Construisez vos maisons. C'est votre meuf-même. Et moi, dedans, Lolo, je vais porter que mes habits. Donc samedi, dimanche prochain, je serai avec une chaussure, une paire de bottes de la nouvelle collection. C'est 1500 euros. Non, je vais vous rendre sur la. C'est 1500 euros, c'est un cadeau. Quand le patriarche dit que papa, voilà ton terrain, j'ai plus de paiement. Bon, tu es souvenir du patriarche.
C'est le souvenir du hommes là. Les gens qui ne peuvent pas vivre sans souvenir des hommes là. Les hommes là, j'ai payé ma part de botte et mon terrain. La botte qui parle. Tu seras bien comme une princesse, une pretty woman. La botte qui fait pour oui. Quand tu fais la délire, il faut être convenable, il faut être chic et glamour. Alors, mes femmes fabuleuses, je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour les nouvelles, les nouveautés. Les boutiques, dans le haut, tu as choisi, ils ont dit qu'ils vendent les habits sur toi. Même si ils vendent poisson, ces habits sur la taille, ils ne peuvent pas te problème. Hein? Donc, samedi, à la fin du mois, vous avez les nouveautés, des collections, des filles façonnées, haut couturées, parce que dans le haut, ne vend pas le nylon. Dans le vent du vrai tissu, la classe. La bille, quand tu portes, ça sent bon à distance. Quand tu portes, on voit comment ça. T'es, les yeux des hommes brillent. Les amis, quand tu t'habilles, les hommes veulent te draguer. Les amis qui appellent les dragueurs. Les amis qui font peur au mari quand tu sors. Ce sont les tenues, les habits de Tata Lolo. La boutique en ligne. Des femmes fabuleuses, des femmes chic, des femmes glamour. Pas les femmes sales, sales comme Manu Arat. Tu parles elle. Je ne veux pas la. Maman, je ne veux pas la question des clients. Je ne viens pas dans ma boutique, ma soeur. Pardon. Tu viens te chasse. Un peu d'abord. Hey, tu peux me payer la bille. Il fait qu'il y a abonné. Elle, non, ah, c'est même bien. Elle pas payer la bille dans les carités. Elle pas fait le reste de la bille. Prima, même Prima, elle pas là. Il vient parler à Prima. Il faut y ramener. Elle pas dans le carité. Elle vient prendre un trino. Elle n'a même pas eu une soirée. Tu as bien joué à la soirée. Elle va porter quoi? Je viens d'avoir bloqué les têtes de moi. Elle n'a même pas fait la soirée. Elle n'a même pas. Tu as payé la soirée. Tu as passé dans une soirée depuis que tu es en France. Et vraiment, ta star a ici. Tu as parti un jour dans une soirée. Elle a parlé, elle a dit, prenez-moi, c'est ma star. Je suis appelé dans cette soirée, elle a encouragé. Je te marie que tu te mêles. Mais quand les blogueuses comme moi parlent, elle dit, pour tu veux parler par rapport à quoi? Elle dit, pour ce que j'ai mon avis à donner. Elle dit, pour m'a dit que tu es dans le tu es une star. En Allemagne, je suis le président pour des Berlin. Elle a déplacé, elle a arrêté la musique. Elle a dit, Tata Lolo est là. Une star, une blogueuse internationale. Elle peut faire ça pour toi. Chouane. Tu pleures quoi? Y'a moi une tout pourrie. Le bébé, elle dort. Elle dort au calme. Au calme. Le même âge. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle bloque-moi toutes les têtes de mort là. Cheveux souris, elle veut bloquer ta tête de mort. Ah, elle est cheveux souris. Elle a dit qu'elle le porc qu'il avait baisé. Hein? Elle va vivre avec le porc toute sa vie. Si elle est une femme, avant de venir me parler. Quand elle me dit que voilà mon enfant à l'aéroport de Roissy. Ouais. Elle a dit que je suis parti prendre l'enfant comme Colissimo. J'ai pris. Va prendre ta part. Ça fait trois. Va prendre toi. Ton trois bagages, va prendre ta part. Voilà. Moi j'ai pris de Colissimo, j'ai amené. Toi va prendre ta part. Ma fille ta taille. Ma fille ta taille. Va prendre ta part, on voit. Femme incapable. Elle lave les assiettes. Elle aussi prend un fort. Mais qu'on fait là, on lave les assiettes au quotidien par mois. Tu ne viens pas payer les nuits de 2 euros en Allemagne. C'est bon. Bon. Il percute. Elle dit que ma chère, elle dit que tu n'appelles plus son nom, elle n'est pas ta soeur. C'est comme ça et pas autrement. Je suis belle, mamie. On se donne encore rendez-vous samedi.